Go! Oh, bonjour amis auditeurs et auditrices et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors c'est vrai, on est en fin d'année, on est aux périodes de Noël, c'est les fêtes et pourtant nous on a décidé avec l'ami Gabi de Génération Rétro Gaming de parler d'horreur. Comment tu vas mon cher Gabi? Bah écoute, ça va, je suis dans l'ambiance pour parler fantastique horreur. Effectivement, avec les guirlandes, les boules de Noël, c'est vrai qu'on peut parler que d'horreur à ce moment-là. Hein. Le Père Noël fait peur à moult enfants. Et donc, aujourd'hui, pourquoi parler d'horreur? Mais parce que, en fait, c'est des films très particuliers qui essayent de se renouveler assez régulièrement parce que je pense que les films d'horreur, au bout d'un moment, on se fait chier. Tu vois, je veux dire, si par exemple, on fait que des films avec des jumpscares ou des films qu'avec des tueurs en série, bah, tu te dis, ouais, c'est sympa, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Est-ce qu'on peut pas nous proposer une petite nouveauté? Et donc aujourd'hui on va débattre sur l'horreur en général, que ça soit les films qu'on a vus, pourquoi on a décidé de les regarder, qu'est-ce qui nous fait peur plus qu'autre chose, est-ce que ça nous affecte aussi émotionnellement parlant, est-ce que c'est des films qui peuvent être développés scénaristiquement ou est-ce que c'est des espèces de nanars. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Et déjà première question Gabi, bah, quel est le premier film d'horreur, alors premier, bon ça risque d'être compliqué, mais quel est le premier film d'horreur qui t'a marqué et qui t'a donné envie de te lancer dans cet univers là? Le premier qui m'a accroché, on va dire ça, par rapport à tous ceux que j'ai cru voir, parce que l'histoire c'est ça, c'est que quand t'es ado ou gamin, tu crois voir des films d'horreur ou fantastiques, on va dire des thrillers horreurs horrifiques à la télé ou au cinéma, mais c'en est pas. Tant que tu n'as pas vu les chefs-d'œuvre de John Carpenter ou d'autres personnes. Ou de Stephen King, adapté, enfin pas forcément adapté au cinéma de la meilleure manière qui soit pour les Stephen King, mais moi je repense surtout à la série des Halloween. C'est le premier film, en plus moi j'ai eu la chance de les voir pratiquement dans l'ordre, sans commencer par les derniers qui sont pas si mauvais mais moins bien. Le dernier au cinéma était pas si mauvais, j'ai trouvé, comparé à ceux qui étaient plus des téléfilms, le 3 et le 4 à une époque. Pour moi, le premier Halloween que j'ai vu, voilà, c'est celui qui m'a accroché. L'histoire du tueur en série qui revient suite à un traumatisme psychologique. Il y a toute une mise en scène derrière. On est entre le mélange gore et le mélange thriller. C'est ce qui me plaît, parce que moi, personnellement, enfin, comme plein de gens, je pense qu'on fait une séparation quand même entre l'horreur et le gore. Parce qu'à un moment donné, si tu veux, il faut quand même respecter l'intelligence du spectateur. Et si c'est de la boucherie comme Brain Dead, qui est un film plutôt comique, ou Shaun of the Dead, qui est plus dans le comique que dans le thriller, mais qui mélange le gore aussi, il faut quand même, je trouve, pour le spectateur, qu'il y ait une intrigue associé au tueur ou à la série de meurtres qui vont en découler durant tout le film. Ouais, parce que toi, t'as pas envie qu'il y ait trop de facilité. En gros, on se contente de mettre du gore pour donner envie et de Voilà. rien raconter derrière parce que, bah, il suffit juste de mettre du gore. Et pourtant, étrangement, on l'a vu avec des films comme Saw, par exemple, qui a réussi à montrer quand même quelque chose de gore, hein. C'est extrêmement violent ce qu'on voit. Et Ouais. en même temps, d'avoir un tueur en série, très développé qu'on voit au fur et à mesure du temps avec une histoire, des origines qui l'a poussé et conduit à faire ce genre d'acte assez dégueulasse. Donc, comme quoi, on peut arriver à développer des choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui se sont servis du gore pour de la facilité pour pouvoir attirer du public en disant bah, regardez, nous on a le film le plus violent, le plus gore, le plus dégueulasse, venez le voir. Alors que quelque part, bah, c'est de l'horreur en soi parce que c'est un système de peur très différent de comme le tueur en série, tu vois, comme tu dis avec Halloween. Mais il y a un aspect aussi très surnaturel avec Halloween, mais on en reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a cette facilité, mais ça reste de la peur en soi. Donc après, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois. Hein, de toute façon, il en faut pour tout le monde. Mais moi, ce que j'aime bien avec le tueur en série, c'est ce côté, qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi, et en même temps sans trop en dévoiler, tu vois. Par exemple, Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, c'est un personnage qu'on sait pas grand-chose, tu vois. On sait qu'il est tiré d'une famille un peu chelou, qui nourrissent les animaux parfois avec des corps humains, tu vois. Il y a des petites légendes, mais tu sais pas grand-chose. Et dernièrement, alors je me rappelle plus quand exactement, ils ont décidé de faire un préquel à Leatherface en racontant ses origin story, en racontant comment il est devenu ce tueur en série. Ça Et casse tu comprends? tout, Voilà, on est d'accord, je pense que c'est ce qui casse le mythe d'un personnage aussi mythique comme celui d'Halloween ou bah, celui de Leatherface. Et heureusement, quelque part, pour Halloween, ils n'ont pas allé jusque-là, tu vois. Là, ils ont fait une continuité dernièrement.
En disant que le tueur, mais il était encore là, il s'en prend d'ailleurs aux mêmes personnes, enfin, quelque part, il essaye de s'en prendre aux mêmes personnes que dans les premiers opus. Enfin, tu vois, ils essayent pas d'expliquer la véritable raison, mais on sait quelque chose sur ce tueur. Et est-ce que tu trouves pas qu'avec les tueurs en série comme Halloween, entre autres, il y a un côté un peu surnaturel, parce que tu vois le personnage être devant une fenêtre, et puis tout d'un coup, tu revois le même plan, il a disparu en un claquement de doigts. Est-ce que, y a pas cet aspect surnaturel, genre, bah, en fait, c'est peut-être qu'un esprit, ou est-ce que c'est dans nos têtes? Est-ce que ça joue là-dessus, sur toi, au niveau émotion? Oui, mais c'est certain que bah, Halloween, c'est exactement le genre de film où tu as cette petite séquence à chaque fois surnaturelle où le personnage disparaît assez rapidement en un regard. Et c'est ce côté mystérieux qui rend le personnage plus fort, on est d'accord. Et je pense que le cinéma se prête bien à ce genre de personnage parce qu'en bouquin, je dis pas que c'est différent l'interprétation que tu as de ce genre de personnage un peu surnaturel et qui apparaît et disparaît en un clin d'œil pour tuer ses victimes. Mais je pense que voilà, le cinéma, il y avait tout à faire autour de ce personnage. Après, il y a peut-être d'autres films aussi où le cinéma est meilleur pour comment dire, l'interprétation d'une histoire avec un tueur en série, avec ce côté surnaturel. Mais le côté mystérieux, je suis tout à fait d'accord, il faut le garder parce que l'imagination, là où elle est forte chez le spectateur, c'est où on te donne le moins d'indices pour dévoiler la personnalité, qui dévoile la personnalité d'un personnage. Moi, je pense que la petite erreur qu'ils ont fait, enfin la petite, même la grosse erreur qu'ils ont fait dans le dernier Halloween, c'est de montrer le profil du visage de Michael Myers. C'est une grosse erreur parce que le côté masque avec ce côté mystérieux, on ne sait pas si finalement il a vraiment un visage ou que c'est seulement un démon qui prend l'apparence du corps, etc. Comme un peu dans un Evil Dead où tu as des démons qui viennent de l'enfer tuer des gens. Enfin, il y a ce côté diabolique qui rentre en jeu et puis là, le rendre humain dans le dernier Halloween. Alors que l'histoire est pas, enfin l'histoire, la mise en scène n'est pas si mal durant tout le film, et la grosse erreur qu'ils font, c'est ça, et ça casse le mythe, comme t'as dit pour. Ouais, mais parce que enfin, après, je sais pas, je me mets pas à la place du réalisateur ou des scénaristes, mais c'est vrai qu'ils veulent tout de suite donner un sens, à quelque chose de tangible, et donc de casser ce côté mystérieux, surnaturel, qui fonctionne très bien avec le personnage d'Halloween. Et c'est vrai que de lui montrer que, bah, écoutez, regardez ce visage, mais c'est celui-là d'un être humain, donc il peut saigner, donc il peut mourir, alors Voilà. que, à chaque fois qu'on a réussi, tant bien que mal, à le tuer, ou en tout cas à le mettre hors course, c'était toujours cette part de mystère. Est-ce qu'il va se relever? Et quand il se relevait, tu te disais, mais attends, mais merde, c'est pas un humain, c'est pas possible, il peut pas se relever avec des balles dans le corps, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et c'est vrai que là, bah, tu te dis, bah, en fait, si, il s'est relevé parce que peut-être que psychologiquement, il sent plus la douleur, enfin, tu te donnes encore plus de raisons logiques. Et ce qui fait que la peur est moindre quelque part. Et pour ça que le dernier Halloween, je l'ai apprécié parce que on retrouve quelques mécaniques qu'on a vues dans les premiers. On ressent cette ambiance, cette atmosphère. Et en même temps, t'avais l'impression de plus être dans le même film, d'être dans quelque chose de totalement différent. Mais on reprend juste le même personnage, les mêmes acteurs, enfin, certains acteurs, etc. Et c'est vrai qu'on perd ce mystère. Comme avec ben, les Leatherface, quand j'avais parlé, il y avait aussi Scream, hein, qui est aussi avec un tueur en série, qui porte un masque, tout ça. C'est vrai que c'est des films très particuliers parce que comme tu l'as dit, quand on parle de bouquins, Stephen King, qui est un grand écrivain qui a écrit pas mal de livres sur l'horreur, enfin l'horreur entre guillemets, c'est vrai qu'il a réussi à donner cet aspect très horrifique alors qu'on fait marcher l'imaginaire. Et comme tu le dis, une scène où on voit quelqu'un apparaître dans une fenêtre et disparaître quelques secondes, quand tu le lis, tu fais ouais, ça fait pas peur quoi. Mais quand tu le vois dans un film, pendant un bref instant, tu dis ah ouais merde, ça fait peur quand même. Bah c'est là où la réalisation est importante et surtout d'avoir un bon réalisateur parce que quand tu as des mauvais acteurs, à la limite, tu peux te rattraper avec la réalisation derrière. Mais là, la chance que avait à l'époque la production de ce film, c'est qu'il y avait des acteurs comme Jamie Lee Curtis et d'autres qui voulaient faire leur preuve au cinéma, qui étaient très jeunes, et il n'y avait pas forcément encore ce. Je sais pas si Vendredi 13 sort à peu près à la même époque.
Mais quand même, on est dans une révolution au niveau du film d'horreur, pas grand public, mais qui se démocratise dans l'inconscient. Et finalement, ce qui ressort à l'écran, bah, c'est limite mieux ce que je pense aurait pu écrire quelqu'un dans un livre. Et là, je pense que même c'est peut-être plus difficile aujourd'hui de retranscrire par écrit ce qui a été fait à l'écran. Oui, bah oui, parce que C'est comme très on l'a rare. dit, ouais, ben ouais, parce qu'on doit faire marcher plus l'imaginaire quand on écrit que quand tu mets un plan de caméra à l'instant T, ben tu sais que tu vas faire peur à ce moment-là, alors qu'à l'écrit c'est plus compliqué, il faut construire petit à petit l'horreur, et c'est peut-être plus difficile aujourd'hui, sachant que ben, des histoires d'horreur, il en existe des milliards, hein, toutes différentes les unes des autres, et en même temps beaucoup se ressemblent, et au bout d'un moment tu dis est-ce que tu tournes pas un peu en rond, et comme tu le dis, il y a eu une très belle époque du film d'horreur qui ont réussi pas forcément à réinventer, mais à changer un petit peu la manière dont on peut avoir peur, parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque aussi avec beaucoup de surnaturel, comme avec l'Exorciste, Amityville, où on jouait plutôt sur les esprits. Mais le problème avec un esprit, c'est qu'on ne le voit pas, tu vois. C'est pas quelque chose de tangible, ça fait moins peur, alors qu'avec des tueurs en série, bah, tu sais que bah, t'as plein d'êtres humains autour de toi, t'as des voisins, et tu ne sais pas ce qu'ils font dans leur vie, tu sais pas s'ils sont barjots et qu'ils peuvent à tout C'est moment ça. t'attaquer, tu vois. Et ça rentre peut-être plus facilement dans nos esprits quand on voit le film et on se dit ah merde, putain, ça fait peur, tu vois. Oh, on est d'accord, hein. Mais pour parler d'Halloween, et quand tu le compares à des films comme Amityville, il y a une toute autre ambiance. Mais à chaque fois, tu as les mêmes codes, c'est-à-dire que tu as plus ou moins, enfin, pas forcément pour Amityville, mais tu as plus ou moins des innocents toujours qui vont tête baissée assez rapidement hein, dans le drame et l'horreur. En même temps, les films, hein, le format 1h30, 2h, un peu popcorn movie pour les jeunes, pour les ados, parce qu'à la base, ces films ont été faits plus pour les ados que pour un public adulte. C'est là, en fait, où tu vois, il y a une petite incohérence, je trouve, par rapport au label horreur interdit aux moins de 18 ans ou des choses comme ça. C'est qu'on sait très bien que ces films, c'est fait pour les ados. Tu as toujours, comme dans les films Vendredi 13 et les autres, un groupe de jeunes qui se fait massacrer au moment où tu as la Vierge un peu effarouchée qui va passer à l'acte avec son copain de l'époque et là qui se fait trucider. Il y a les tabous, tu sais, de l'adolescence, etc., qui rentrent en jeu. C'est toutes les mêmes mises en scène à chaque fois qui reviennent. Et d'ailleurs, il y a la très bonne série. American Horror Story 1984 qui fait un remake un peu de tous ces grands films d'horreur aujourd'hui et de tous ces codes justement. Je sais pas si toi t'as pu voir cette série. Non, non, pas du tout, mais j'en ai entendu parler, oui, effectivement, qui montre ben, ce que c'était un petit peu l'horreur en reprenant certaines mécaniques et ils le font apparemment d'une extrême bonne manière. Ah oui, et puis là si tu veux un mélange gore et puis thriller, il y a tout. C'est en même temps, avec l'expérience des films qui ont pu se dérouler durant les 30-40 dernières années, ils avaient emmagasiné pas mal d'histoires et puis comment dire, de personnages à repasser à l'écran d'une manière beaucoup plus évoluée. Et ils ont réussi ça de manière admirable. Et ce que je trouve dommage d'un autre côté, c'est que tu as pas mal de films où on a tenté des remakes. T'as eu le remake d'Amityville, t'as eu le remake bah, Halloween, ils ont voulu faire aussi un nouveau. Il y en a eu plein d'autres. The Thing, la chose, qui a une histoire. Moi, je comprends pas qu'on puisse essayer de refaire un film qui a déjà hyper bien marché à l'époque en tentant de faire limite mieux. Je sais pas si c'était une bonne idée à la base. Bah après c'est parce que ils se disent que vu que ça avait marché une fois, ça peut marcher une deuxième fois. Mais le souci c'est que si on reprend exactement le même film esthétiquement et tout, bah, autant dire bah voilà on ressort The Thing version DVD comme à l'époque en VHS. Mais voilà tenez. Et le souci c'est que est-ce que bah, comme tu le dis et ça on arrive dans un espèce de paradoxe, c'est que Psychose c'est aussi, voilà, voilà psychose. Psychose. Bah il y en a plein. Il y a aussi Oui. The Grudge là ou je sais pas quoi The qui avec. Grudge. Ouais, voilà, qui revient là dans pas longtemps. The Ring aussi. Voilà, enfin, Il y en ben, tous les films d'horreur qui ont marché, en fait, vont a. ressortir quelque part en version un peu remasterisée, comme dans le domaine du jeu vidéo. Mais là où dans un jeu vidéo ça peut fonctionner, dans le film d'horreur, c'est, enfin,
dans les films, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est comme tu l'expliquais, on arrive dans un problème, c'est que ces films d'horreur sont supposés être vendus à un public assez jeune, pas jeune enfant, hein, adolescent, parce que c'est un public qui est attiré par l'inconnu beaucoup plus facilement qu'un adulte qui a pris du recul avec les années, avec l'expérience, et qui aura peut-être moins peur facilement face à tel ou tel machin, alors que les adolescents, ils connaissent pas forcément tout, donc tu peux leur vendre tout et n'importe quoi, ils pourront flipper facilement, en tout cas, ils sont amateurs de ce type de film, et pourtant, on leur interdit d'y aller parce que c'est déconseillé au moins de 16 ans, déconseillé au moins de 18 ans, tout ça parce que c'est trop violent ou trop gore ou trop mon cul sur la commode, quoi. Ouais. Et c'est très problématique. Et c'est pour ça que ce type de film qui essaye de ressortir en mode, ben voilà, on ressort une version remasterisée. Oui, mais c'est pour qui? Pour le vieux public. Mais le vieux public qui a déjà connu ça, ils vont voir les premiers, ils vont pas voir la version remasterisée. On est Ou d'accord. peut-être que si, par curiosité quand même, on sait jamais, pour voir est-ce que l'effet sera le même, mais c'est un peu dommage. Donc ces films sont destinés au public adolescent, mais est-ce qu'ils ont envie de voir ces vieilles histoires? Peut-être, hein, on ne sait pas. À l'heure actuelle, on a vu que les remakes plus ou moins marchaient, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'on a l'impression que, tout comme le jeu vidéo, parfois le cinéma n'arrive pas à se renouveler, est obligé de reprendre ce qui a fonctionné pour gagner un peu de thunes, alors que l'horreur est un univers grand, vaste. On peut nous proposer plein d'histoires, mais pour l'instant, on se contente de reprendre ce qui a fonctionné, histoire de s'assurer que d'avoir des bifetons pour derrière refaire d'autres films. Et c'est un peu dommage parce que on a eu des films comme Paranormal Activity. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais tu vois, c'est des films d'horreur très particuliers, hein, avec cette caméra, enfin ces véritables acteurs, enfin soi-disant avec des véritables caméras qui tournent chez eux pour filmer les Ouais. différents événements. Tu imagine à leur place et tu dis que ce film ça a pas coûté des milliards, c'est un petit budget, c'est une nouvelle histoire un peu neuve qui reprend le monde du paranormal mais qui réinvente quelque chose, et pourtant derrière les gros studios qui ont des gros budgets se disent mais pourquoi faire quelque chose de nouveau, tenter un pari risqué quand on peut reprendre les vieux pots et ressortir la même sauce, alors que c'est un peu dommage, non? Ah oui, c'est tout à fait dommage. Bah, surtout moi je reviens à l'époque des années 70 où il y a deux films vraiment exceptionnels hein, qui sortent début 70 et fin 70, qui pour moi sont deux références encore de l'épouvante horreur, hein, on va dire. C'est L'Exorciste de William Friedkin et puis il y a The Shining de Stanley Kubrick qui sort en 80. Et pour moi, ces deux films qui ont pas révolutionné l'image, mais plus le genre en fait. Parce qu'on avait quand même on va dire, le maître de l'horreur à l'époque, le maître du thriller plutôt, psychologique avec Alfred Hitchcock dans les années 60. Mais l'image, il manquait quelque chose toujours. C'était plus. Il était très bon pour écrire Hitchcock, mais peut-être que la mise en scène manquait. Alors après, c'est l'époque aussi. L'époque, il fallait pas choquer les familles, etc. Pas trop de sang à l'image. Même quand la femme se fait tuer dans la salle de bain, dans la douche, qu'elle se fait poignarder, tu vois pas forcément, voilà, des trous dans sa peau avec le sang, etc. qui gicle. Ça reste très subjectif. T'entends des cris, etc. Mais quand tu passes à L'Exorciste, qui sort en 73. Alors il y a un superbe documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube sur le making of et puis l'époque de la sortie au cinéma. Alors il y a une actrice très jeune hein, qui joue dans ce film-là qui s'appelle Linda Blair qui a bien grandi. Je vous rassure, elle est toujours vivante. Hein, elle n'est pas décédée comme malheureusement la jeune fille de Poltergeist. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle de cette histoire de Poltergeist parce que Oui. il y a beaucoup de rumeurs, de légendes urbaines autour de ce film qui sont pratiquement toutes fausses. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Et donc L'Exorciste, à l'époque, pour te dire tellement, le film a choqué parce qu'il mélangeait religion, il mélangeait horreur, et puis société de l'époque aussi, très puritaine, des Américains et société anglaise. Enfin, anglaise, c'est plus. Je sais plus si c'est une famille anglaise qui est établie dans le. Dans le nord des États-Unis, enfin je sais plus, il faudra que je revérifie ça. Mais si tu veux, les gens, quand ils allaient au cinéma, il y en avait qui sortaient de la salle et qui vomissaient, tellement le film les avait choqués. Pour te dire à quel point on n'avait jamais vu ça en 10 ans de films d'épouvante, horreur au cinéma, quoi. Ça n'existait pas, quoi. Et cette scène d'enfant qui vomit, des démons qui insultent. Une mère décédée d'un prêtre, enfin des choses comme ça, c'était violent pour l'époque.
Ouais, mais et tu vois, c'est, on en arrive aussi à ce que l'horreur est très particulier dans le domaine du cinéma où l'action, où les films d'action, où les dessins animés, tu vois, ils ont pas besoin de beaucoup évoluer parce que au final, ce qu'on veut, par exemple, dans un film d'action, c'est de l'action, tu vois, on veut pas se poser trop de questions, on s'en branle au final du scénario, tout ça. Alors que l'horreur est toujours obligée de s'adapter par rapport à une génération. Et par exemple, là, tu vois, tu dis que quand tu as regardé, enfin, pardon, L'Exorciste et les autres spectateurs la première fois, ils ont été marqués parce que c'était nouveau, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, parce qu'on avait l'habitude des vieux films en noir et blanc, de Dracula, ce genre de truc, tu vois, mais qui faisait peur aussi, mais Oui. c'était une peur aussi différente, et là, comme tu le dis, on parle de religion, donc c'est un aspect aussi très, très particulier, et pourtant, aujourd'hui, je suis sûr que tu mets des adolescents face à ce film-là, ils vont regarder, ils vont faire, mais c'est de la merde, et c'est vrai, c'est d'une tristesse, parce que la peur n'est plus la même à ce moment-là pour la génération actuelle, et étrangement, je suis sûr que les spectateurs de l'époque, on leur montrerait des films d'horreur actuels, peut-être qu'ils auraient encore plus peur que ce qu'ils ont eu avec L'Exorciste, tu vois. Donc il y a aussi cette Oui. génération, la génération qui évolue et l'horreur évolue constamment. Et donc L'Exorciste a impacté, a marqué, et a marqué le domaine du cinéma, hein, parce que même encore aujourd'hui, on en parle, c'est toujours un sujet à débat, parce que c'est un film qui a marqué, parce que c'est grand, c'est beau, c'était très bien réalisé, c'est très bien filmé, alors que pourtant, c'est beaucoup de dialogue, hein, il n'y a pas spécialement d'action en mode jumpscare, ce Ah genre de non, choses, non, tu pas vois, du tout. c'est vraiment extrêmement posé, on va jouer sur la longueur, au début, bah, la petite fille, tu vois, on sent qu'elle est atteinte de quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi, et petit à petit, tu vois que le démon prend de plus en plus sa possession, et c'est vrai que c'est très marquant hein, cet aspect-là qu'on retrouve peut-être un peu moins aujourd'hui dans notre cinéma d'horreur actuel, parce qu'on va pas jouer sur la longueur. Si on devait faire un exorciste aujourd'hui, bah en gros, la personne est possédée et elle va devoir agir directement comme un démon, comme un truc dégueulasse. On l'a vu avec ah, c'est l'exorcisme merde qui se passe dans un crématorium ou je sais plus quoi, avec ce cadavre qui est récupéré par des personnes, et en fait il s'avère qu'elle est possédée par un démon, parce qu'en fait quand elle était petite fille, elle était possédée, sauf qu'on pensait qu'elle était morte, mais pas du tout, le démon est à nouveau là, et tu vois qu'il se passe plein d'événements, mais tu vois, de suite c'est beaucoup plus violent, tu vois. On va pas commencer à avoir des dialogues, avoir un Oui, prêtre qui oui. arrive avec sa croix en mode bon, ça pue un peu hein, c'est la merde. Donc je vais appeler des confrères, on va sortir la Bible, l'eau bénisse, parce que là c'est compliqué. Non, non, de suite, il faut des scènes marquantes, il faut des jumpscares. En même temps, c'est normal, il faut bien que l'horreur s'adapte à la génération actuelle. Mais est-ce que aujourd'hui, un film d'horreur un peu plus classique, un peu plus posé comme L'Exorciste, pour toi, pourrait fonctionner sur le public actuel ou pas? Oui, il pourrait fonctionner, je pense, si on avait un réalisateur de qualité derrière aux commandes et un scénariste aussi de qualité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance trop à arriver rapidement, comme tu dis, à la scène d'horreur ou à la scène jumpscare qui va faire sursauter le spectateur sans forcément qu'il y ait quelque chose d'intéressant à l'écran pour le faire frissonner. Et je pense que ce côté psychologique de montée en puissance que tu avais dans les films comme Amityville ou L'Exorciste, avec cette crainte que tu ressens chez les acteurs petit à petit au bout d'une heure de film, hein, où il s'est pratiquement rien passé parfois, parce que L'Exorciste c'est 2 heures et quelques le film. Amityville c'est un peu plus court, mais pendant une demi-heure, 45 minutes, eh ben, il se passe pas grand-chose, hein. Tu vois des petits phénomènes à droite à gauche, mais aujourd'hui tu vas voir Annabelle 2, tu vas voir Conjuring, tu vas voir enfin, tous ces films jumpscare à la con, parce que pour moi je veux pas être vulgaire, mais voilà, je suis obligé de le dire, c'est des films à la con. À l'époque on avait descendu Projet Blair Witch, mais aujourd'hui tu revois Projet Blair Witch, et ben je suis désolé, mais il avait un concept révolutionnaire, original, qui a quand même, on va dire, il n'est pas destiné, comme tu dis, à tous les publics, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont besoin de voir des choses à l'écran et d'autres qui adorent s'imaginer ce qui pourrait se passer et qui ont besoin d'un tout petit truc pour flipper ou alors pour, on va dire, rentrer dans l'histoire comme s'ils lisaient un bouquin. Et je pense que Projet Blair Witch, il a été filmé d'une manière pour faire imaginer le spectateur comme si on découvrait les pages d'un bouquin petit à petit. Et finalement, je pense que peut-être c'est pas qu'il a raté en fait sa version, mais peut-être que s'il était sorti en bouquin à l'époque, avec cette histoire dans la forêt, on sait pas trop ce qui se passe, ça aurait mieux marché pour l'imagination des gens, parce que finalement ce que tu vois à l'image, comme un Paranormal Activity,
Bah, à l'image, il n'y a rien. Et ça parle pas aux jeunes qui ont besoin de voir des choses. Et ils ont du mal à imaginer aujourd'hui. Et je pense que les réalisateurs d'aujourd'hui ont compris ça, qu'il fallait donner du jumpscare, où on te met un gros coup de basse dans les enceintes au cinéma pour ouvrir une porte, comme si le personnage, quand il était dans la pièce de la maison hantée, il y avait un coup de basse de musique dans ses oreilles aussi. Mais c'est d'un ridicule quand tu y penses. Et ça, je veux dire, rajouter des effets spéciaux comme une attraction à Disneyland, pour moi, ça, quelque part, ça ridiculise le jeu de l'acteur. Et d'un autre côté aussi, ça montre que la réalisation est faible ou que l'acting de l'acteur est faible parce que il te fait pas ressentir à l'écran ce qu'il devrait te faire ressentir. Et on te met un jumpscare pour t'aider à comprendre. C'est Oui, pour comme. te dire, là, tu dois avoir peur et pas Voilà. attendre, quoi. Et c'est dérangeant pour moi. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais après, c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est une génération actuelle qui a besoin de peut-être plus vivre le cinéma d'horreur qu'avant où on pouvait largement poser. Mais c'est aussi parce que bah, les studios ne vont pas se prendre la tête à essayer d'écrire une histoire basée sur bah, des personnages qui vont se développer avec l'horreur qui va s'engranger petit à petit et grossir jusqu'à le climax final où tout va péter, où il va y avoir des jumpscares ou ce genre de choses. On pourrait le faire, mais ça serait perdre du temps parce que ça serait prendre un risque. Et aujourd'hui, les millions comptent bien plus que la qualité d'un film, donc on va se contenter de la facilité. C'est pour ça que Paranormal Activity, en fait, c'est un après Blair Witch, parce que Blair Witch est peut-être sorti trop tôt, et comme tu l'as dit, peut-être qu'en bouquin, il aurait cartonné de suite. Alors Blair Witch a cartonné, mais en fait, il a mis un peu plus de temps. Ça n'a pas été le chef-d'œuvre de suite, tu vois. On n'a pas dit, Ouais, oh mon Dieu, mais ouais. c'est vrai que moi, j'ai vu Blair Witch assez tardivement, hein, j'étais adolescent, tout ça, et moi, il m'avait fait peur, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un où j'ai peur très très facilement, il me faut pas grand-chose pour avoir peur, et je trouve que l'atmosphère dégagée de Blair Witch fonctionne très très bien, ce que j'ai retrouvé avec Paranormal Activity, parce que beaucoup d'adolescents gogol étaient là en mode il se passe rien, il y a une porte qui grince, lol, ça fait pas peur. Mais en fait, si, ça fait peur parce que c'est pas normal. Deux mecs, enfin deux personnes qui vivent dans une maison, t'as une porte qui bouge toute seule, ça, ce n'est pas normal. Tu vois, Ouais. et c'est pour ça que je trouve que le film fonctionne très bien, mais malheureusement, Paranormal Activity, c'est retrouver le cul entre deux chaises entre ceux qui ont compris ce qui se passait et ceux qui se contentent juste de regarder. En fait, c'est un peu le souci, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on a l'esprit tellement critique qu'on se contente simplement de regarder ce qu'on nous donne sans se poser de questions. Et en fait, les gens veulent pas se poser de questions. Tu vois, ils veulent pas se dire pourquoi ça grince, pourquoi la porte bouge, pourquoi la Oui. personne agit de cette manière. Ils veulent pas se poser cette question. Comme tu l'as dit, il faut qu'il y ait un bruit qui t'avertisse, attention, danger, ou attention, il va se passer quelque chose, ou jumpscare, parce que s'il n'y a pas de jumpscare, ben, on se fait chier, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et d'ailleurs, c'est Link The Sun qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour expliquer que si les jumpscares, c'est de l'ambiance. Et je suis d'accord, c'est une ambiance horrifique. Mais aujourd'hui, on se contente très souvent d'uniquement des films à jumpscare, jumpscare, jumpscare. Et le scénario, oubliez-le, les personnages, oubliez-les, ils ne servent à rien. Enfin, si, ils servent à subir des jumpscares. Et nous, on est là juste pour sursauter. Sauf que moi, j'aime bien aussi des films où ben, y a une histoire, où il se passe un truc, où il y a une évolution dans l'horreur et pas se contenter de rien du tout, des jumpscares, jumpscares, jumpscares. Je trouve ça dommage. Ah oui, c'est tout à fait dommage. Surtout que, logiquement, quand tu as des scénarios comme The Conjuring, tu peux mieux faire. Et Annabelle, c'est pareil, il y avait matière à mieux faire. Surtout qu'il y a toujours ce mystère autour de ce côté réaliste de la poupée qui apparemment existe vraiment avec les Les frères, époux. Les ouais, les Warren. Warren, voilà, les époux Warren qui ont fait aussi dans le passé une enquête après les meurtres d'Amityville, quand les DFO étaient encore là, je crois. Ils étaient venus avec des caméras de télé. Il y a cette fameuse photo où tu vois l'enfant dans un coin de la pièce qui apparaît avec un appareil photo qui prenait des photos en continu suivant les mouvements qu'il enregistrait dans la pièce. C'était assez impressionnant et je trouve que. Quand tu vois The Conjuring, il y a plein de choses qui sont ratées, qui rendent le film ridicule à cause des jumpscares, parce que le jeu d'acteur est pas si mauvais, la réalisation est bonne, mais encore une fois, tu as trop de coups de basse dans tes oreilles qui t'agacent et qui, je veux dire, Qui t'avertissent. qui t'avertissent. Tu sais qu'il va se passer un truc, tu as des plans de caméra, tu sais. Un peu à l'horizontale, avec en projection du haut vers le bas ou de bas vers le haut, un peu comme dans les jeux vidéo d'aujourd'hui. Et c'est là où justement j'ai entendu récemment une critique sur Terminator Dark Fate, où tu as ce Terminator qui a été ridiculisé avec le temps, et tous ces plans séquences
de caméra qui veulent te rendre le film, tu sais, un peu dur et comment dire, badass, alors que finalement le film a perdu de toute l'horreur et la hargne et le frisson qu'il y avait dans Terminator 1 dans les années 80, ça n'a plus aucun rapport. Et certains films d'horreur aujourd'hui ont perdu énormément. Pour moi, un des derniers films que j'ai pu voir, que j'ai apprécié, c'était en. Après, il y avait aussi ça, l'adaptation du bouquin, que j'ai adoré. Il y a plein de gens qu'on peut aimer parce que je pense qu'après le bouquin, il n'est pas terminé. C'est ça l'histoire. C'est chapitre 1, ça, le premier qui est passé au cinéma. Il y a le chapitre 2 qui va arriver. Enfin, qui est arrivé aussi. Pour moi, c'était Sinister. Est-ce que tu as vu ce film-là, Sinister? Bah, d'abord, bah, vite fait, Vas-y, vas-y, tu vas-y. préfères quelle version de ça? La version de l'époque, bah, la première version qui existait, c'était une espèce de mini-série, donc ça, chapitre 1, et puis après, ça, chapitre 2, ou est-ce que tu préfères les versions, bah, remasterisées qu'on a fait dernièrement? Alors, voilà, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Pour moi, tu as des versions qui parlent plus à une génération au niveau de l'image à une certaine époque. Pour moi, si tu veux, le premier, ça ressemble plus à un téléfilm. Et c'était un téléfilm à la base, c'est vrai. Mais ça ressemble plus à une production basse, en fait, d'un bouquin, d'un bon bouquin qui aurait mérité un blockbuster à l'époque, avec toute une mise en scène. Et je trouve que l'adaptation film de l'époque, elle est ridicule. Et quand tu vois ce que nous disaient nos parents à l'époque, comme quoi ce film, il faisait flipper, et je le trouve ridicule, moi, personnellement. Mais tu vois, c'est ce que je dis parce que ma mère est une grosse fan de films d'horreur et ça, elle avait vu à l'époque et elle m'avait dit, mais ça m'avait fait super peur, c'était traumatisant et tout. J'étais là, je fais, mais moi je l'ai regardé là et pourtant je suis une grosse flippette et je me suis endormi. Il se Ouais. passe, enfin, quand je dis il se passe rien, c'est juste que ben, la montée en tension elle est inutile, c'est plat, enfin, c'est nul quoi. Ok, Et. des enfants se font enlever et on sait pas après, voilà, c'est ça. Ouais, et encore, enfin, en vrai, il y en a véritablement qu'un, c'est celui-là qui a son bateau qui arrive au niveau des égouts, et c'est que lui qu'on voit véritablement se faire choper, et encore, dans Voilà. la version de l'époque, c'est un fondu, donc déjà, tu vois pas vraiment grand-chose. Alors, même si tu t'imagines en tant qu'enfant à sa place, c'est sûr, tu te chies dessus, mais j'ai pas trouvé ça flippant, et c'est vrai que la nouvelle version remasterisée, et c'est pour ça, je critique pas l'idée de faire des versions remasterisées, de retenter sa chance, parce que la preuve, les versions remasterisées de ça sont beaucoup plus flippantes, mais parce qu'on a poussé le concept de la flippette, parce que justement, ce passage où on voit l'enfant devant les égouts, bah là, dans cette nouvelle version, bah, il se fait bouffer un bras. Et là, tout de suite, ah, t'as peur, tu vois. Là, tu sens que la créature en face de toi, c'est pas un clown. Enfin, c'est un clown, mais vénère, tu vois. Alors qu'à l'époque, bah, je voyais un clown, ouais, en mode, bah, il va me filer des ballons, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est con. Donc, c'est vrai qu'il y a, bah, c'est suivant les époques, c'est suivant les mentalités, c'est suivant pas mal de choses. Je pense qu'il y a aussi le contexte politique. Enfin, il y a tout un contexte autour de nous qui fait que telle peur va mieux marcher aujourd'hui qu'à une certaine époque ou inversement. Donc c'est pour ça que je ne critique pas ça dans le sens c'est un gros film de merde, mais c'est vrai que moi quand je vois la première version je me dis c'est nul. C'est pas Bah, vraiment un film d'horreur quoi. c'est même pas que. Moi, je pense qu'après, ça peut parler à des gens par rapport au. Bah, tu sais que ça représente toutes les peurs qu'on peut avoir dans Oui. l'enfance, etc. Le noir, les portes qui claquent, enfin, les Ouais, égouts, c'est surtout les etc. phobies en fait. Toutes les phobies, exactement. Et je pense que les mères et les pères de perdre leur enfant, ça les marque. Ouais, mais tu vois, ça on le montre pas tant que ça dans ça en fait, parce Non, que tu suis non, surtout des jeunes non. et finalement les parents ils perdent leurs enfants et là tu fais bah est-ce que t'as pas envie de les voir un peu? Non, montre les enfants, ouais, mais Bah, bon, il y a. surtout dans le, comme tu dis, hein, surtout dans le remake, on se voit pas du tout. Mais par contre, je me souviens du premier film original où tu as quand même des scènes où les parents sont interviewés, etc. Après avec la police, machin. Mais c'est pas plus que ça aussi, Oui. mais un peu plus que le remake quand même. Ouais, c'est en gros, c'était pas vraiment ça le point principal de l'histoire. On voulait vraiment montrer les enfants se battre contre leur phobie, puisque je crois que la créature, quand on le voit dans le dernier chapitre, c'est une espèce d'araignée très chaude, enfin une créature très chaude, donc ça ressemble à une espèce d'araignée. Donc ouais, c'est vrai que c'est très porté sur les phobies. Ça aussi, c'est un univers particulier de l'horreur, hein, les phobies. Moi, j'avoue que je suis un petit peu enfin, ça m'impacte pas, tu vois. Je comprends qu'on puisse avoir peur, par exemple, des araignées, ce genre de choses, mais j'ai du mal à comprendre comment, devant un écran, tu peux en avoir peur, puisque c'est, elle est pas là, tu vois. Mais apparemment, il y en a que ça les touche parce que, ils ont phobie, donc je peux comprendre, mais c'est très particulier. Et pour revenir, donc, maintenant à Sinister, à la fameuse question, est-ce que je l'ai vu? Oui, je l'ai vu. Alors, je l'ai dit, j'ai très peur des films d'horreur, c'est un truc, ça me fascine, en fait. J'ai envie de les regarder, mais j'ai tellement peur que je suis obligé de me cacher, alors que pourtant,
c'est des peurs irrationnelles dans le sens où je sais que ça, enfin, suivant mes croyances, ça n'existe pas, par exemple. Ou alors, ben, je sais que c'est dans un film, donc c'est pas moi qui suis touché, ce genre de choses. Mais en même temps, suivant la réalisation, suivant comment on amène l'histoire, je me dis, mais putain, mais ça marche tellement bien. Et c'est vrai que Sinister, c'est un peu le truc qui m'a... Enfin, l'histoire, je la trouve tellement glauque, d'avoir ces cassettes dans un espèce de Super drôle... 8 même, ouais. Ouais, voilà, Ouais. des vieilles cassettes tournées. Au début, quand, enfin, la première fois que le mec les regarde, tu fais, oh, c'est des films de vacances et tout. Oui. Sauf qu'en fait, tu comprends que c'est filmé par un espèce de voyeur un peu chelou. Alors tu te dis, bon, déjà, ça commence un peu bizarre, tu vois. Et en fait, quand tu découvres que ce voyeur un peu chelou, c'est un mec qui décide de tuer la famille en question après les avoir filmés, après les avoir espionnés, et il les tue de manière à chaque fois différente et tout aussi dégueulasse. Ah, d'accord. Ben, j'ai passé un bon moment parce que je trouve que c'est un bon film d'horreur, mais j'ai pas passé un bon moment parce que ça m'a fait grave flipper ma race. Je sais pas ce que t'as, comment, enfin, ce que toi, ça t'a fait vraiment flipper ou non? Bah moi j'aurais été dans le cinéma, je pense que j'aurais fait mais putain, je m'attendais pas à ça parce que c'est un film que j'ai découvert par hasard en DVD longtemps après sa sortie et je me suis dit mais merde, c'est un putain de bon film. C'est exactement du même niveau que tu peux voir dans certaines séries télévisées comme Medium ou Dexter où tu as des petits scénarios vraiment poussé à l'extrême au niveau du vice, tu vois, c'est surtout ça. Pour la famille qui s'installe dans la baraque et qui découvre ces vidéos Super 8 où t'as des gens filmés jusqu'au jour où ils découvrent que eux aussi sont filmés, enfin c'est génial quoi. Enfin c'est génial. Je veux dire, moi j'applaudis dans le sens où j'ai jamais vu ça encore dans une histoire au cinéma. Si je me trompe, je m'excuse pour les puristes, mais j'avais jamais vu ça dans un film précédent, le vice poussé à l'extrême comme ça. Alors moi je parle, moi il y a un vice auquel j'adhère pas. C'est quand on tue des enfants ou des choses comme ça. Ça me dérange un peu. Même les animaux qu'on les tue, comme dans ça. Il y a un côté, tu sais, c'est pas que ça mélange la facilité et puis le côté puritain, mais c'est de la boucherie facile. Pour moi, quand tu tues un adulte, il y a plus d'imagination, il y a plus de vice. Bah, tu vois, moi, c'est totalement l'inverse. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit dans le cinéma, le jeu vidéo, dans tous les domaines, dès que c'est les enfants, ah, il faut pas toucher parce que gna gna gna. Mais merde, attends, il faut savoir, le démon, là, enfin, là, on prend pour Sinister, lui, il s'attaque aux enfants, il s'attaque à tout le monde, lui, il en a rien à secouer. D'ailleurs, Ouais. c'est ça aussi, ça m'avait un peu flippé parce que je pensais que c'était un véritable mec, tu vois, un tueur en série, mais qui était très, très sournois. Et on découvre que c'est encore plus malsain que ça, qu'en fait, c'est un esprit et tout. Et tu te dis, mais en fait, le démon, en fait, c'est comme un humain. Il agit de manière humaine, ça veut dire qu'il torture les gens, il les tue de manière à chaque fois sournoise, tranquillement. On dirait qu'il mange son petit pop-corn en les regardant mourir, ça l'éclate. Et là, tu fais oh putain! Et moi, je trouve que les enfants, c'est pas intouchable, au contraire, ils font partie de la vie, ils font partie du quotidien. Les enfants, autant que les adultes, sont impactés par ce type d'événement. Pourquoi il y aurait que les adultes et pas les enfants? Alors, tu dis que c'est une certaine facilité, mais je dis pas non plus de s'amuser à tuer que des enfants uniquement et les adultes, on n'y touche pas. Mais là, c'est l'inverse. C'est qu'en fait les adultes on peut y toucher mais les enfants non, les enfants c'est en gros le garde-fou, tu vois, dans un film d'horreur tu peux pas aller trop loin, donc s'il y a des enfants bah tu sais qu'il peut pas leur arriver grand chose hormis dans quelques cas dans Paranormal Activity, je sais plus c'est dans le 3 je crois, c'est les enfants qui sont justement en contact avec les esprits en général, mais tu sais qu'il peut pas leur arriver quoi que ce soit, tu vois, t'es pas Ouais. vraiment apeuré, sauf dans Sinister, et c'est des rares cas comme ça, où l'enfant sera touché, sera impacté, sera blessé, voire peut-être mourir. Je dis pas qu'il faut une mort gratuite en mode, ben on va l'écarteler, on va s'amuser à montrer un démon le violer, enfin la violer ou le violer, puis après le tuer, je dis pas ça, mais aujourd'hui pour moi les enfants sont au même titre que les animaux au même titre que les adultes sont des proies, sont des cibles justement, et ne pas les toucher, c'est en gros dire qu'ils sont immunisés contre tout danger. Bah non, dans la vraie vie, crois-moi que un démon comme on les voit dans les films, s'il voyait un enfant, il se dirait miam Ah, mais miam. si tu remarques, t'as souvent des films où les enfants sont possédés, mais à la fin du film, ils redeviennent à leur état normal. T'as Ouais, ben ouais. beaucoup de films comme ça. T'as Ben ouais, c'est Insidious, problématique. Poltergeist, même les films récents là, avec des gamins qui ouvrent des placards, les croque-mitaines et je ne sais quoi, il y en a des tonnes. Mais ouais, Ça fait même. Moi, ça me fatigue. En fait, à partir du moment où, comme dans Annabelle, je vois le gamin marcher pendant 10 ans à petits pas dans une maison. Et les portes grincent, le plancher il craque.
Et puis, tu sais que le gamin, il faut enchaîner plus vite, ça me fatigue, tu vois. Ces machins-là, tu les as vus pendant des années. C'est même pas intéressant. Alors, à qui ça peut faire peur? Ah, Mais voilà, surtout, c'est des vrai mères qu'on de en arrive, famille. on en arrive au problème, c'est que comme l'enfant ne veut pas être en danger, on peut Oui, entendre autant de bruit que tu veux, tu le bah, sais, tu le sais, voilà. il n'y arrivera rien, Auguste. Donc Tu le comment sais. tu vas avoir peur? Alors bien sûr, je serai à la place du gamin, je serai horrifié d'entendre tous ces bruits, mais je ne peux pas être à la place du gamin, puisque je sais qu'il n'y arrivera rien. Alors que moi, dans la vraie vie, certainement qu'il m'aurait arrivé plein de choses si ce genre de choses existait ou si j'y croyais, tu vois. Donc ça, c'est problématique. Et on voit ça dans tous les. Même dans le jeu vidéo, maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il faut tuer des enfants ou non? Il y en a qui me sortent, et on l'entend très régulièrement, mais si vous avez envie de voir des enfants morts, c'est que vous avez un problème. Mais alors à ce moment-là, autant. Alors ceux qui aiment Saw ont des problèmes aussi de voir des gens mourir. Il y en a qui ont trouvé l'histoire assez creepy et tout, mais kiffé voir les systèmes de torture, les nouveaux pièges, ils trouvaient ça kiffant et de voir comment les gens pouvaient en mourir ou voir s'en sortir. Mais ils sont tordus aussi. Bien sûr que quand on regarde ce type de film, c'est pas qu'on est tordu, mais on est fasciné par quelque chose. D'assez particulier, tu vois, que dans la vraie vie on le souhaiterait pas, mais au moins on nous l'offre dans un film, donc on peut assouvir pas forcément un fantasme, mais on peut assouvir une idée, voir comment ça fonctionne, ce genre de choses. Et moi aujourd'hui, voir des enfants mourir dans un film d'horreur ou être aussi impacté par un démon ou un tueur en série, je trouve ça totalement normal et logique. Et au moins j'aurais beaucoup plus peur parce que je me dirais, merde, un gamin. Il n'a pas beaucoup de chances de survie. Là où un adulte, il peut mieux s'en sortir. Mais en tout cas, il peut essayer des choses. Là où un enfant, il est beaucoup plus facile. C'est une proie facile. Il est faible. Donc justement, comment il va-t-il s'en sortir? Est-ce qu'il est réellement en danger? Ça me ferait bien plus flipper que, le gamin, il marche, il a des bruits, il va avoir un jumpscare, mais il risque rien. On s'en fout. Donc ça fait pas peur. Mais je crois que de toute manière, si tu faisais les stats aujourd'hui de tous les films d'horreur sortis depuis une cinquantaine d'années, au niveau des stats, tu dois avoir 500 blondes qui se sont fait décapiter dans un camp de vacances. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent des ados entre 15 et puis 20 ans qui passent à la trappe pour les plus jeunes. Mais c'est vrai que, après, j'ai vu dans. Non, c'est pas Sleepy Hollow, mais Sleepy Hollow, t'as une scène où t'as l'enfant qui est caché sous son lit et sa famille se fait tuer. C'est pareil, le côté inverse où t'as les parents qui meurent devant l'enfant, ça s'effraie très rarement. Et moi, j'ai été étonné quand même dans Sleepy Hollow, qui est cette scène-là. Je sais pas à quel moment elle a été validée. Et après, quand tu vois que dans des parcs Disney, le cavalier sans tête est repris pour les parades d'Halloween. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe en fait. Je sais pas. Est-ce que les gens de Disney ont vu le film ou je sais pas. Après c'est Disney, aujourd'hui on peut en parler en bien comme en mal, c'est très particulier le studio, mais je pense que non, un cavalier sans tête, ça pose pas de problème parce que tu sais rien, tu vois, l'enfant il va avoir un cavalier sans tête, il va avoir peur, mais ça s'arrête là, tu vois, alors que nous, en tant que peut-être adolescents ou adultes, on va se poser un peu plus de questions en se disant la moralité, et en fait c'est ça le problème, c'est qu'on en arrive à cette question, est-ce qu'un film d'horreur doit être moral ou non? C'est là la question. Et pour moi, un film d'horreur ne doit pas être moral. Au contraire, il doit nous offrir toutes les peurs les plus inimaginables, les plus atroces, toutes les morts les plus dégueulasses, que ce soit des animaux, des enfants, des adolescents, des adultes, des vieux, même des vieux. D'ailleurs, il y avait aussi un film d'horreur comme ça où il y avait deux vieux qui s'étaient échappés d'un hôpital psychiatrique et qui avaient remplacé des grands-parents de deux gamins. Et en fait, les deux gamins, ils se rendent pas compte que c'est pas leurs grands-parents et ils vont se faire maltraiter par ces deux fous. Je me rappelle plus du nom du film, mais qui était assez particulier, où à un moment tu vois la vieille qui essaye d'enfermer la petite fille dans le four, c'est pour la cramer. Et, tu vois, moi je veux voir des trucs comme ça parce que le film d'horreur le permet. Et aujourd'hui, systématiquement, on se pose des barres en disant ah ben non, ça va trop faire peur, oh mon Dieu, ça va traumatiser. Mais putain, mais regardez les informations, vous pensez pas Ah qu'on est déjà traumatisé? Le cinéma permet une liberté, permet juste d'assouvir parfois des fantasmes ou juste enfin nous montrer des choses qu'on ne pourrait pas imaginer justement. L'horreur permet de. Enfin, moi, par exemple, Freddy, oui. je crois que c'est lui hein, qui va dans les. Merde, dans les. Les cauchemars des Voilà, personnes, les ouais. cauchemars. Moi, je sais que mes cauchemars m'ont souvent traumatisé. Et quand j'ai connu Freddy, je me suis dit, je veux plus faire de cauchemars. Bah, on en arrive à des scènes assez amusantes. Bah, je trouve que
Le côté burlesque des Freddy est intéressant parce que finalement on mélange la comédie et puis l'horreur et ça fonctionne hyper bien. C'est un genre qui n'avait pas été mis en œuvre à l'époque et quand tu vois tous ces ados, encore une fois, dans un pauvre lycée qui font les 400 coups avec des gens qui sont toujours amenés à vouloir aller plus vite que la puberté, se prendre pour des adultes, on les remet un peu en place en les ramenant avec leurs cauchemars d'enfants comment dire, pendant qu'ils dorment. Et même la première personne qui est tuée dans son rêve, ça arrive d'une manière brutale dans ce film-là. Et tu te rends compte que la plupart des ados, ensuite, au lycée, ne veulent même plus dormir et prennent des cachetons pour rester éveillés. Il y a un côté pervers qui n'avait pas forcément été mis en place, je trouve, au cinéma avant, par rapport à des ados. Et c'est intéressant parce que t'as ce côté comique avec ce tueur qui, là, c'est plus du gore à la limite quand il tue les gens parce que il perfore des thorax, il découpe des têtes, enfin, il y a plein de choses. Et puis la mise en scène des cauchemars est assez innovante. Est faite de manière innovante, c'est pas mal du tout. Moi Ouais, et j'ai. puis il y a l'aspect aussi de Freddy aussi qui est Oui, oui, oui. très bizarre, qui est très enfin il fait une espèce de, on dirait un épouvantail avec ses grandes griffes et tout, avec son chapeau, et tu sens que c'est un espèce de enfin démon d'esprit, mais qui a un aspect humain, et du coup tu dis c'est un humain comme tout le monde qui agit comme un humain parce qu'il joue avec ses proies, tu vois, il tue pas juste comme ça, hop, il faut tuer, fin de l'histoire, j'enchaîne, non, il joue avec ses proies, et comme tu le dis, il y a un aspect burlesque, et en même temps ça revient à cette question, quand on voit tous les films d'horreur de l'époque, et même encore aujourd'hui, on a des clichés, hein, donc comme tu l'avais dit, la blonde, le sportif, l'intello de service, etc. Et en même temps, on se fout de leur gueule en disant, mais ils agissent n'importe comment. Tu vois, comme ceux qui ben, ils prennent des cachets pour pas s'endormir et tout. Mais en même temps, à chaque fois, il faut s'imaginer à leur place comment nous, on agirait. On agirait comme des êtres humains et malheureusement, on n'agirait pas forcément rationnellement. Et c'est ça qu'on essaye de nous montrer, c'est que dès qu'on perd une certaine rationalité, l'être humain fait n'importe quoi, alors qu'en vrai, s'il réfléchissait 2 secondes, certainement qu'il pourrait survivre à ce danger. On l'a vu entre autres dans Paranormal Activity. On a bien expliqué au mec, donc le petit copain, n'énervez surtout pas l'esprit, ne lui parlez pas, ce genre de choses, et vous verrez que tout se passera bien. Et qu'est-ce qu'il fait ce gland? Ben, il agit comme un être humain qui n'y croit pas, et donc il va jouer avec lui, il va l'énerver, et ce qui cause sa mort à la fin. Ouais, c'est ces aspects-là que je trouve très intéressants, qui ne sont pas si clichés que ça. Ça nous montre juste comment un être humain peut agir, et c'est vrai que ça nous remet en question, nous, actuellement, ce genre d'événements, bon, on n'y croit pas, mais pour l'instant ça n'existe pas à 99% des personnes d'entre nous, mais pourtant on se pose tous la question, et si ça arrivait, qu'est-ce qu'on ferait? Bah, il y a un exemple tout simple avec le film Scream qui met en dérision toute cette scène d'ados et de pré-adultes qui sont pris à la panique une fois que ce genre de situation arrive. Parce que Scream, pareil, hein, au même titre que Blair Witch, à peu près à la même période, je crois que c'est 98, je crois, Scream. Je suis pas, ou 80, ouais, je crois que c'est 98, après je suis pas sûr à Enfin, je sais que c'était bien avant 2000, ça c'est sûr. avant 6 mois après, voilà. Mais moi, Scream, je l'ai pris au début comme un film sérieux, finalement, parce que quand tu le revois aujourd'hui, c'est assez comique. Et pendant une demi-heure de film, bah, t'as des gens qui se font tuer un peu comme la manière de Vendredi 13. L'histoire du pop-corn, le téléphone, etc. Enfin, c'était génial, quoi. Le début du film est génial. La mise en scène, etc. Les actrices. Enfin, je veux dire, ce film-là, il se prétend au second degré, à une espèce de série B du film d'horreur. Mais ça fonctionne hyper bien, au même titre qu'Evil Dead. Evil Dead, si tu connais aussi, c'est pareil, c'est génial, quoi. C'est la mise en scène et tout, Oui, mais parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui essayent de jouer souvent sur la mise en scène tout en essayant d'avoir un côté décalé. Parce que pour vous dire, bah tiens, tu vois, t'es en train de manger ton popcorn devant le film, t'es bien, t'es posé, t'as une petite musique, on te montre une jolie fille au téléphone, ou voilà, tout va bien. Et en fait, t'as un tueur en série qui est là derrière, qui a un plan machiavélique, qui est là pour tuer, et tu prends rien, enfin, tu prends ça à la légère. Et en fait, quand tu découvres que, ben non, ces personnes sont en train de mourir, tu fais.
Mais en fait, encore une fois, ça peut m'arriver. Enfin, là, ça fonctionne parce qu'on parle bien de véritables tueurs, de véritables personnes, un petit peu comme Saw, tu vois, j'avais parlé de Saw, parce que tous ces pièges qu'il met en place, ce tueur, en fait, c'est ce qu'on a, nous, en tant qu'être humain, créé pour torturer. Tous les pièges de torture qui existent, hein, qui ont existé au temps du Moyen-Âge, c'est quand même des gens qui ont pensé, qui ont confectionné ça dans leurs esprits pour dire comment je peux faire du mal ou comment je peux torturer une personne. Mais en fait, Saw, c'est la version 21e siècle où le mec, il a une technologie qui lui permet d'aller encore plus loin dans la torture, qui veut justement pas forcément s'amuser mais donner une leçon, et tu te dis mais c'est extrêmement malsain. Mais aujourd'hui, quand on sait que l'être humain est totalement barjot et qu'il peut vriller à tout moment et faire n'importe quoi, c'est vrai que ça donne encore un aspect encore plus flippant. Et tu vois, pour revenir à Poltergeist maintenant, qui est un film qui a une histoire extrêmement particulière, parce que pendant tout le tournage, apparemment, il y a eu des événements un peu bizarres, des éclairages, des caméras qui parfois disjonctaient, enfin, il y avait plein de trucs. Il y a eu aussi, malheureusement, des acteurs et actrices qui sont mortes. Alors, il y en a qui parlaient qu'en fait, Poltergeist, c'est une malédiction autour du film, comme quoi, en fait, les acteurs devaient mourir en fait à cause d'un événement suite, parce qu'ils ont peut-être réveillé un esprit, tout ça. Après, il y a eu beaucoup d'histoires apparemment. Alors, je sais pas si c'était pour Poltergeist, mais il y a une scène apparemment avec des cadavres, Oui, c'est enfin vrai, des squelettes, et apparemment c'était de véritables squelettes, c'était des vrais. Hein, ils avaient déterré des squelettes. Alors, vrai ou faux? Non, Mais en fait, ils avaient été à la morgue du coin rechercher des squelettes pour faire plus vrai dans les scènes à la fin du film. Et apparemment, les acteurs, ils étaient même pas au courant. Oui, Enfin, là, on l'aurait dit. Donc voilà, ça a donné un aspect encore plus mythique à ce film, mais ça a permis aussi de vendre un petit peu le produit. Et donc, est-ce que c'était un côté marketing pour vendre le film, un petit peu comme Paranormal Activity, avant qu'il sorte, enfin dans toutes les salles, il y avait apparemment des personnes qui ont vu le film et qui ont ultra flippé. On voyait, tu sais, ce fameux trailer où on voyait des gens dans le cinéma sursauter, hurler de peur tellement ça faisait peur. Alors que toi, quand t'arrivais devant le film, au bout d'1 heure, bah t'as vu une porte qui grince, et etc. Tu faisais pas la même gueule que les spectateurs qui sautaient en hurlant. Donc, est-ce que c'est un plan marketing de la part des réalisateurs, des scénaristes et toutes les personnes qui ont travaillé autour de Poltergeist, ou est-ce que tu penses quand même qu'il y a un truc un petit peu plus machiavélique, un petit peu surnaturel derrière ce film? Non, je pense que ça a fait partie en fait de la médiatisation du film, pas forcément à l'époque, mais on va dire une fois que le film devait sortir plus ou moins en VHS à Ouais, l'époque. sur le long terme. Voilà, les journalistes se sont intéressés à ce film et puis se sont rendus compte que finalement les acteurs qui jouaient dans ce film sont décédés durant les années Qui ont suivi. qui ont suivi, et même l'actrice qui joue la fille du couple, alors je sais plus son nom, je suis désolé, mais qui se fait assassiner en fait pratiquement un mois, je crois, avant la sortie du film en salle, par son ex-petite amie qui était très jaloux et qui est revenue la tuer alors qu'elle était avec un autre. Et puis il y a Caroline, hein, donc la petite blonde hein, qui joue l'actrice, qui a été jusqu'au numéro 3 et qui est décédée d'une maladie du sang, si je me trompe pas. Ouais, j'avais entendu parler d'une maladie, effectivement. Voilà, d'une maladie, on va dire, pas, enfin, génétique, hein, de toute manière. Mais malheureusement, voilà, elle est décédée. Et puis, on a mis tout ça, entre guillemets, autour de la légende du fait qu'ils avaient utilisé des vrais squelettes de personnes décédées dans la piscine, à la scène du premier film, dans la piscine à la fin, parce qu'on voit les squelettes ressortir du sol, parce que la ville a été construite sur le fameux cimetière indien que les Américains apparemment affectionnent hein, quand ils construisent des maisons en Amérique. Faut savoir que le génocide, j'allais dire américano-indien, enfin bon, ils ont inventé un nom pour se dédouaner, comment on dit, ouais, dédouaner du truc. C'est un peu comme Thanksgiving, tu sais, on t'offre une dinde pour faire le pardon, alors que c'est eux qui ont massacré des tonnes d'Indiens. Et ça, c'est ancré dans la culture américaine, dans l'inconscient, comme l'esclavage. Combien de fois tu as des films comme ça où t'as des T'as l'ombre un peu de l'esclavage qui revient avec ces espèces de zombies là qui tuent les gens enchaînés à des. Enfin, dans un prisonnier, etc. Enfin, il y a tous ces petits codes. Et là, c'est pareil. Le cimetière indien qui est dans le film Cimetière, qui est dans Amityville, il y en a des tonnes. Je les oublie parce qu'il y en a trop, quoi. Et à la limite, on te dit, ah oh, bah, je crois qu'il a été. Tu sais, c'est l'excuse parfaite
pour cueillir des démons et ceci, cela. Mais par contre, ça arrive toujours. Moi, là où je suis, ça me fait rire, c'est que ça arrive toujours à une famille de blancs, jamais à une famille d'Africains, africano-américains, là, Et c'est quoi. normal, Et c'est ça, normal. voilà, parce que ça fait partie de l'inconscient avec tout ce qui est esclavage, génocide indien, etc. Ouais, mais c'est triste parce que ça montre quand même qu'en gros ils se portent en tant que victimes alors que c'est eux qui ont fait un génocide. Enfin, après, bien sûr, je dis pas que les personnes qui vivent ça aujourd'hui actuellement, c'est eux qui ont tiré sur les Indiens, mais c'est leurs ancêtres qui ont fait ça. Et si on considère que le cimetière indien est à chaque fois sous une maison, techniquement, tous les États-Unis est un cimetière géant puisque les Indiens ont vécu partout. Et vu le génocide total, puisqu'il doit rester trois Indiens qui se battent en duel, autant vous dire que les États-Unis, tout le pays entier est un cimetière géant. Oui, bah voilà, c'est exactement. Tu démontres bien ce que je veux dire. C'est l'idée que j'ai. Après, c'est amusant le fait qu'on te dise, voilà, un ancien démon. Alors après, je sais que dans Amityville, ils ont changé un peu l'histoire dans le remake en disant que c'était un prêtre qui avait tué, torturé des Indiens sur ses terres Oh, en vous êtes pas allé 1700 et loin. quelques. Et que finalement, ce prêtre satanique avait construit sur ses terres une maison pour faire ses sacrifices, etc. Et la maison ensuite était devenue, avec le temps, Maudite. maudite, etc. Où les esprits étaient restés, des morts, enfin bref. Et que c'est ça qui avait fait tuer 6 personnes dans la maison d'Amityville, avec. Enfin voilà. Non, Mais mais tu bon, c'est. vois, ça me fait penser à une question que je trouve assez intéressante, tu vois, pour l'histoire de Amityville. Donc la véritable histoire, c'est un mec qui vivait avec sa femme et ses enfants, et un jour, apparemment, il aurait entendu des voix dans sa tête, il aurait Le commencé à fils, le vivre des... fils, le fils, ouais. Ouais, voilà, enfin, il y a eu Voilà. des événements très bizarres. Non, non, c'était le mari, hein, c'est le mari qui a Non, tué... c'est le fils qui a tué toute sa famille, en fait. Ah bah, suivant les... Bon, bah, moi, Non, j'avais... c'est. Moi, je peux te dire que Ah non, je mais je suis te calé crois, mais sur alors... ça. Bah, bon, donc c'est le fils qui a C'est le entendu fils. des voix, enfin en tout cas, enfin, Voilà. il a vécu des trucs, et ça l'a poussé à tuer toute la famille, c'est Voilà. lui le dernier survivant, il s'est fait arrêter, tout ça, et à chaque fois qu'on lui pose la question, mais pourquoi vous avez agi ainsi, mais il explique que c'est pas de son fait proprement, il n'avait pas envie, quoi. Et est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu vois tous ces films d'horreur, est-ce que ta croyance dans le monde du paranormal a changé? Est-ce que toi, t'y croyais, tu vois, ce genre de choses? Ou est-ce qu'au contraire, tu dis toujours, non, j'y crois pas, ou j'y crois toujours, enfin voilà. Disons que tu as une part de toi qui y croit encore par rapport à tes expériences passées où il a pu se passer des choses où tu n'as pas forcément compris ce qui s'était passé dans ta vie. Mais on va dire que la plupart des gros blockbusters qui ont été démystifiés, un peu comme Blair Witch, où on t'apprend que finalement, à l'époque, on nous a vendu ça comme une histoire réelle pour la promotion du film avant qu'il sorte au cinéma. On t'a révélé que les acteurs, voilà, étaient bien toujours vivants, etc. Ça, donc du coup, tu te dis, merde, putain, C'est finalement, qu'un film. c'est qu'un film. Et Amityville, c'est un peu pareil, parce que finalement, tu as envie de croire à toute cette histoire. C'est d'abord comment dire, un bouquin qui est sorti avant le film, hein, qui a été écrit, etc. Et ensuite, ils ont adapté à Hollywood l'histoire du bouquin. Qui avait été un best-seller, hein, le bouquin. Et après, je raconte pas toute l'histoire parce que vous avez des documentaires sur YouTube, hein, vous pouvez vous renseigner. Mais si vous voulez, la famille qui a plus ou moins imaginé cette histoire de démons, etc. C'est une maison qui avait été déjà rachetée pour 80 000 dollars à l'époque par rapport au meurtre qu'il y avait eu. Et pour dire la vérité, cette maison, aujourd'hui, il y a des gens qui y vivent, il n'y a jamais eu plus ou moins de choses. Alors on a dit qu'il y a eu un exorciste, etc. La maison a été exorcisée, donc finalement, des gens ont pu réaménager à l'intérieur, les histoires de portes de garage qui claquaient. Enfin, c'est une maison qui était aussi côté lac, avec tout le vent, tout le... L'histoire du plancher où tu avais la fenêtre au premier étage qui tombait toute seule quand les gens marchaient dans la pièce parce que le plancher était légèrement incliné et du coup ça faisait gondoler le bas de la fenêtre et la fenêtre tombait toute seule. Il y a plein de choses qui ont été révélées. Le seul truc qui est mystérieux, encore plus ou moins aujourd'hui, c'est le fait que ces personnes ont été tuées apparemment les unes après les autres avec une carabine qui faisait énormément de bruit à l'époque.
enfin toujours aujourd'hui, hein, Oui. mais c'était pas logique que les gens ne se réveillent pas dans les pièces d'à côté pour venir empêcher le tueur d'avancer, si tu veux. Ouais, enfin, ou même prise de panique, t'entends un coup de feu, tu sursautes, Voilà. tu te lèves du lit, enfin, tu fais Voilà. quelque chose. Et le côté qui pourrait expliquer ça, c'est que, enfin, il y a eu une histoire qui est sortie, qui n'a pas été vérifiée, mais la famille de l'époque avait des problèmes financiers et des relations avec la mafia italienne de l'époque. Et si tu veux, ils auraient pu être tués tous en même temps par la mafia ou je ne sais quoi. Et finalement, ça a été plus ou moins étouffé, cette histoire. Vous pouvez faire vos recherches de votre côté. Mais la manière dont ils ont été tués, ventre sur le lit, on va dire la tête Ouais, en forme de face au croix, mur, voilà, apparemment. etc. Cette mise en scène, c'est ça qui pose la question du fait que personne ne se soit réveillé pour empêcher le tueur. Et je veux dire, c'est ça qui peut poser question encore dans ce film, qui donne encore ce côté réaliste. Par rapport au fait que, on va dire, l'écriture du bouquin qui a été exagérée, ensuite le film à Hollywood qui a été exagéré aussi. Il y a très peu de films aujourd'hui qui ont ce côté mythique réaliste qui est encore présent. Parce Ouais, que. on essaye d'au moins créer une histoire, enfin une histoire par rapport à un scénario. On dit pas que par exemple il y a eu un cimetière indien ou alors c'était une véritable histoire, sauf Ouais. pour Conjuring, hein, puisque c'est les, enfin le couple Warren a bel et bien existé. Après, ce qu'ils ont vécu, c'est vrai ou faux, ça c'est à votre avis personnel et vos croyances personnelles. Oui, voilà. Mais il y a aussi un vieux film aussi, je sais pas si t'as connu, alors, putain, je me rappelle pas du nom. C'était avec enfin une tribu cannibale dans une forêt, et en fait t'as des journalistes qui vont aller sur place pour les filmer et tout, et malheureusement les choses vont mal tourner. Et en fait tu vois une scène de viol où tu vois une femme se faire violer par la tribu cannibale, ils vont se faire bouffer aussi. C'est filmé par une véritable caméra et tout, et il y avait une légende qui disait qu'en fait c'était réel, c'était bien des journalistes, et que malheureusement cette vidéo était retrouvée par hasard. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de films comme ça qui essaient de créer des histoires parallèles pour essayer de vendre encore plus. Aujourd'hui, ça, on le fait pas. On laisse le film parler de lui-même, ou les jumpscares de lui-même, hein, enfin d'eux-mêmes, pardon. C'est vrai qu'on perd ce côté mythique un peu. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait des histoires très drôles, très intéressantes. Après, encore une fois, je suis pas là pour me moquer des croyances. Tout à chacun, vous pouvez croire en ce que vous voulez. Moi, je sais que les films d'horreur, en fait, moi, j'ai toujours peur parce que je crois pas, mais en même temps. C'est tellement parfois réaliste que j'y crois quelque part, tu vois. C'est que ce qu'on disait, c'est vrai que quand j'ai vu la première fois l'Exorciste, je me dis, est-ce que ça peut pas exister des gens possédés? Et quand tu vois derrière qu'il existe des gens qui ont apparemment subi des possessions, enfin des possédés et tout, tu te dis, putain, ça va tellement loin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, il y a des questions qui restent sans réponse, un petit peu comme cette fameuse photo de Amityville avec le gamin. Pour l'époque, arriver à trafiquer une photo, c'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, ça demande pas grand-chose, mais pour l'époque, c'était extrêmement compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des questions qui resteront sans réponse et qui laissent une part de mythe pour certains films comme Amityville, L'Exorciste. Est-ce que c'est des vraies véritables histoires, enfin en tout cas basées sur des faits réels ou non? Ça, ben, c'est à vous de vous faire votre propre avis, je pense. Oui, tout à fait. Ensuite, t'as des films hein, qui ont voulu comment dire, se destiner plus à un public enfantin. Je pense, tu sais, à des films comme Gremlins, The Critters. Ah ouais. Et c'est des films qui restent assez sympathiques aujourd'hui, mais l'épisode à l'époque, moi je me souviens de l'épisode à l'époque du mixeur et puis du micro-ondes, où t'as le Gremlins qui se font exploser et broyer dans le mixeur. C'est limite, les parents à l'époque, ils voulaient pas que tu regardes ce film-là à cause de 2-3 scènes, mais ça restait un Bah, film ça restait pour enfants. oui, ça restait familial, mais tu avais une ou deux scènes qui rendaient le film adulte et comment dire effrayant pour un enfant de 10 en moins de 10 ans, on va dire, voilà. Donc je trouve que ce mélange à l'époque que les Spielberg et les autres réalisateurs avaient fait, c'était vachement intéressant. Quand tu vois Poltergeist aussi, qui est destiné pas forcément à un film à un public de moins de 18 ans parce que t'as aucune scène gore, c'est du psychologique, c'est un thriller paranormal. C'est hyper bien écrit, bien filmé, la mise en scène. Enfin, franchement, c'est du grand cinéma, je trouve. Et aujourd'hui, il a pas vieilli. Après les effets spéciaux, bien sûr, voilà, c'est. Oui, ah ben c'était l'époque, mais c'était comme, enfin même encore aujourd'hui, je trouve que ça se regarde. Après, est-ce que, bah tu vois, est-ce que si on faisait une version remasterisée,
Qui irais le voir. Il y en a Ah, une. il y en a une? Malheureusement, mais écoute. Ah, c'est moins bien que le film original. Ça peut être que moins bien, parce que quand tu sais, bah, ça me fait penser à des films comme Total Recall, tu sais, avec Schwarzenegger, où tu as déjà un must de l'époque, et comment tu veux refaire un film derrière ça? C'est un film qui a hyper bien fonctionné, Poltergeist, au cinéma. Donc, je voyais pas l'intérêt de refaire un autre derrière, et surtout que tu allais devoir faire légèrement différemment de l'histoire d'origine. Là, on retrouve encore cette famille qui embarque dans une maison, qui s'embarque dans une maison, etc. Moi, ça m'a toujours fait rire cette histoire où tu as une famille naïve américaine qui achète une baraque et en fait, elle est déjà meublée. Mais elle est meublée d'une manière très ancienne, tu sais. Ça les dérange pas, ils s'installent, tout va bien. Ah, ils refont pas la déco, ils appellent Non, c'est pas bon, Damido. voilà, Non, c'est bon. non, on va pas maroufler, c'est chiant. Non, on aime bien ce qui est vieux et ça pue la mort, mais on. Mais Ouais, il c'est y vrai. a un film que je sais pas si tu l'as vu qui est pas mal, pas dans ce genre, mais un peu. C'est le film qui s'appelle Possédé. Alors, il s'appelle Possessed en anglais, c'est Ouais. exactement la traduction, c'est pareil. Ouais. C'est une petite fille, je crois, son père lui offre une boîte à musique qu'il a achetée dans une brocante ou je ne sais quoi. Quelque chose comme ça. Et puis, du coup, la boîte à musique est possédée. Elle avait tué la personne qui l'avait avant. Et le démon rentre en la fille, enfin c'est génial quoi. Ce film, c'est une petite pépite ce film, il n'est pas passé, on va dire, par la grande porte arrivée au cinéma parce que je pense qu'il n'avait pas assez de jumpscare pour son époque. Et malheureusement, on va dire qu'il n'a pas forcément fonctionné par rapport à des Insidious ou des Conjuring, mais. Ouais, ben c'est ça aussi, c'est que je pense qu'il y a le côté publicité. Quand t'as les moyens financiers, bah tu peux vendre un produit. Regarde Conjuring, dès qu'on a eu les premiers trailers, t'as eu 50 bandes annonces qui sont sorties, t'avais plein d'affiches partout sur Internet, tout le monde en parlait. On montrait justement des gens apeurés devant le film, alors que, bah, enfin, tu pouvais être apeuré, mais voilà, ça fonctionnait pas forcément comme on nous le disait. Il y avait même aussi un film qui disait qu'apparemment Steven Spielberg il s'était chié dessus, ou voilà, ce genre de truc. On essaye de faire de la promo pour bah, vendre le produit. Et il y a des films malheureusement qui n'ont pas forcément le budget, ou peut-être qu'ils veulent pas en fait utiliser de la gratuité au niveau de la publicité. Ils veulent laisser parler leur film par eux-mêmes, et s'ils se vendent, bah, c'est qu'ils ont réussi leur travail, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, comme tu dis, je ne sais pas ce que le public veut réellement. Est-ce qu'il a envie de retrouver des films comme The Shining avec Jack Nicholson, des grands acteurs, une période comment dire, de mise en place des personnages, de la situation. Stanley Kubrick avait fait à l'époque un film, comment dire, rempli de clins d'œil à l'histoire américaine. Pareil, encore il y a encore des Indiens dans l'histoire. L'hôtel construit sur un cimetière indien. Enfin, Encore et toujours ce cimetière indien. Il revient partout, hein. il revient partout. Après, dans le comment dire, dans il y a un truc qui est intéressant, c'est que par rapport à cet hôtel, on a révélé plus tard que l'hôtel était construit sur une mine de cristaux, en fait, des cristaux utilisés pour construire les piles de sauvegarde de tes montres ou des appareils électroniques aujourd'hui. Et ils se sont demandé si finalement les sons que les gens auraient pu entendre dans l'hôtel, les musiques de piano, parce que là aussi il y a encore ce mythe à côté de cet hôtel qui reste hanté. Est-ce que c'est de la publicité pour que les gens viennent justement passer Ah, leurs peut-être, vacances hein. là-bas, on ne sait pas. Mais si tu veux, les sons auraient pu s'expliquer par le fait que les pierres gardaient en mémoire les bruits entendus durant l'histoire du passage des humains durant toutes ces années, etc. Enfin, c'est assez Bon, amusant de voir. après, faut pas chercher de façon toujours des réponses. Il faut laisser, au contraire, des questions. Ça apporte aussi du charme à un univers, à un film. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que le public cherche aujourd'hui? Bah, c'est difficile à dire. Et en même temps, qu'est-ce que peut nous proposer aussi les studios? C'est ça la question, parce qu'on en arrive à
à une époque, à une ère, où on est supposé être libre de droit, on est supposé être ouvert d'esprit pour tout et n'importe quoi, l'homosexualité, les étrangers, tout ça, tout ça. Et étrangement, plus on est ouvert d'esprit, soi-disant, plus on ferme les frontières, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et aujourd'hui, les films extravagants, un peu comme avec des tueurs en série, où on peut s'attaquer à des enfants comme dans Sinister, est-ce que demain on va pouvoir les faire, tu vois? Il existe des films encore très peu connus dans le monde du film d'horreur et qui sont dégueulasses en soi. Alors je me rappelle pas du nom, mais on voit par exemple un père qui subit des tortures et à un moment on va le forcer à violer un enfant et on le voit violer un enfant et en fait il viole son fils qui a été drogué, qui est mort littéralement et il est en train de le violer. Et c'est un film, hein, il existe, hein, c'est un film, je me Ah. rappelle plus du nom. T'as des films aussi comme un peu très très what the fuck avec Human Centipede. Alors c'est très dégueulasse, c'est complètement débile comme création de créatures, parce que c'est des humains qui sont reliés par les intestins ou je sais plus où, et en fait t'as un mec qui est relié par l'anus au niveau de la bouche, et en fait ils se nourrissent par voilà, bon, c'est dégueulasse, tu vois. Mais ce genre de film, est-ce que demain on va pouvoir les faire exister? Est-ce que demain on va pouvoir toujours créer quelque chose d'horrifique? Ou est-ce qu'au contraire, ben encore une fois, la barrière de politiquement correct va faire qu'on aura des films ben, sur le paranormal, donc encore des démons, ou au contraire des créatures un peu cheloues comme les aliens. Alors attention, je critique pas aliens, au contraire, mais est-ce qu'on va pas se contenter toujours de la même chose et petit à petit les films d'horreur vont rester basiques sans cette atmosphère un peu dérangeante à la Sinister, à la Halloween, à la Laserface, où à chaque fois il faudra toujours avoir des réponses logiques, trouver systématiquement quelque chose qui fonctionne scientifiquement parlant pour pas que les gens aient trop peur, ou créer du politiquement correct pour éviter de choquer, parce que sinon ben on sait que le film ne sortirait pas dans nos salles. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de films, pour qu'ils sortent dans nos salles il faut qu'ils ont un cahier des charges, voyez, pour que au contre c'est vrai, si ils respectent pas ce cahier des charges ils ne sortiront pas dans les salles de cinéma, ils sortiront directement en DVD ou dans les sites de streaming. C'est problématique et c'est dommage parce qu'il y a des films qui existent parce que on les met en avant dans les salles de cinéma, même s'il y a que 2-3 salles qui les présentent, et ça leur permet d'exister. Alors que s'ils sortent directement en DVD, tu vas regarder, tu vas faire, mais je m'en bats les couilles, alors que c'est peut-être un excellent film. Donc, est-ce que aujourd'hui nous n'avons pas atteint une certaine limite à notre ouverture d'esprit, soi-disant, et on va pas se contenter d'offrir toujours la même chose, des films d'horreur? Pas forcément plat, parce qu'il y en a qui vont fonctionner avec des jumpscares, je critique pas, moi ça me dérange pas, mais il faut que ça soit bien dosé, mais j'ai peur qu'on arrive à une certaine limite, je sais pas ce que t'en penses toi. Non, mais ce qui est certain, c'est que ce sont les médias et puis le cinéma qui font les esprits d'aujourd'hui, je pense, qui les Qui nous façonne. modifient, qui nous façonnent. Ouais. Et je pense que si tu donnes aux jeunes aujourd'hui des films faciles comme ça, sans imagination, avec des images beaucoup plus parlantes que l'écriture, à un moment donné. Les gens vont plus se poser les questions que nous on se posait sur les peurs. Il y a un truc aussi qui est tout simple, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit autour de nous, on a peut-être besoin de plus. Je veux dire, on a peur de moins de choses. Pour résumer, on a peur de moins de choses aujourd'hui parce que tu as vu beaucoup de choses grâce à la télé, aux informations, etc. Aujourd'hui, tu as un accident d'avion, on va te montrer les morts qui sont étalés par terre sur le bitume, etc. On va te les montrer sur YouTube. Même de loin, mais tu vas aller voir. Je veux dire, les plus grandes peurs que tu pouvais avoir, même à une époque récente, hein, moi je dis année 2000, où tu as Destination Finale 1 qui sort, où tu as justement plein d'ados qui ont toutes ces peurs métamorphosées en leur mort. Tu sais, voilà, comment dire, le Grand 8 dans Destination Finale 3, le crash d'avion dans le 1, les accidents de voiture dans le 2. Aujourd'hui, tout ça, c'est pas que tu pourrais pas refaire des films comme ça, même aujourd'hui, même Destination Finale, aujourd'hui, ça a vieilli, ça a très mal vieilli. Parce que c'est limite, en fait, tu vas avoir peur au moment seulement où la personne va mourir. Mais toute la La progression, préparation. préparation, ça va t'ennuyer parce que t'as vu tellement de choses à l'extérieur aujourd'hui. Et je pense que dans les années 70-80, toucher à des choses interdites comme la religion, ça suffisait pour faire peur à des gens. Mais quand tu as eu la guerre du Vietnam qui est arrivée pratiquement à cette époque aussi, et tu as eu toutes ces images de guerre, de mort à la télé,
Il en fallait encore plus dans les films pour faire encore plus peur aux gens. Et c'est là que tu as eu des films comme Vendredi 13, des films comme même Terminator, où tu as l'œil du Terminator qui est enlevé dans le miroir. Cette scène-là, je la compare à un film d'horreur parce que finalement, même si le trucage est mal fait, ça parle aux gens, quoi. Et Même les aliens, hein. même les aliens, où tu as les gens, voilà, qui se font le thorax qui explose. Et finalement, cette scène aujourd'hui, je veux dire, elle a rien de spécial pour nous, mais à l'époque, ça avait choqué beaucoup de gens. C'est. Ouais, c'est Enfin. peut-être parce que, ben c'est peut-être comme tu le dis, on est peut-être déjà choqué par le monde qui nous entoure, par toutes les merdes qui existent, et en fait, on a atteint un degré de peur que aujourd'hui, pour que le cinéma arrive à fonctionner pour nous faire peur, est obligé d'utiliser des artifices qui sont des systèmes de peur totalement logiques, hein, qui amènent de l'ambiance, mais on est obligé d'aller directement dans du concret pour pouvoir créer une certaine peur, alors que avant on avait besoin d'une histoire, même si on pouvait créer aussi des films comme aujourd'hui. Mais parfois, on préférait peut-être plus une histoire parce qu'on n'était pas habitué à toutes les peurs. Comme tu l'as dit, la religion, c'était pas quelque chose dont on pouvait cracher gratuitement ou montrer quelque chose d'horrible derrière la religion. Alors qu'avec l'exorciste, on voit bien que la religion, c'est pas tout blanc, hein, quelque part. Il existe aussi un côté négatif avec les démons et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, montrer ça, on se dirait juste, oui, mais on est déjà au courant. Enfin bon, de toute façon. Au pire, montre-nous un prêtre pédophile, on en entend tellement parler, montre-nous ça en film d'horreur. Mais tu vois, c'est qu'on arrive à peut-être une limite. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les films d'horreur, c'est très difficile pour quelqu'un réalisateur d'arriver à nous proposer un film d'horreur enfin, nouveau. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on parlait de faire des remakes et tout. C'est peut-être de la facilité, mais en même temps. Peut-être qu'on a atteint une certaine limite, et c'est aussi voilà le politiquement correct, il faut respecter certaines chartes. Et est-ce que on peut espérer des petits films indépendants à côté qui tentent des expériences, qui tentent de nous surprendre? Je pense qu'aujourd'hui c'est très compliqué, et c'est peut-être pour ça qu'on risque d'avoir des films d'horreur pas qui se ressemblent tous, mais qui n'arrivent pas à évoluer. Là où à une époque, ben, on pouvait tenter plein d'expériences, donc la religion, les démons, puis tout d'un coup on partait sur des tueurs en série, puis à un moment on mélangeait les deux, les tueurs en série démoniaques qui pouvaient rentrer dans tes esprits. Après on tentait les créatures de l'espace parce qu'on connaissait pas l'espace, mais ben, on Ah tentait des oui. Ah choses. mais Tu quand vois? ils ont envoyé Freddy, pas Freddy, mais Jason dans l'espace, c'était fini pour moi. Ouais, non, mais voilà, mais on pouvait tenter des expériences. À un moment, ça faisait mouche ou pas, mais on pouvait tenter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment? Bah, ça, de toute façon, c'est un débat qui peut durer des heures et des heures et des heures, et avec d'autres, des milliers de personnes, on sera jamais réellement d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour le cinéma d'horreur. Et en même temps, il existe tellement de très bons films et qui ont peut-être mal vieilli, mais qu'on vous conseillerait. Mais enfin, on pourrait faire une liste de 100 films. Moi, je sais que beaucoup m'ont plus marqué que d'autres. Par exemple, L'Exorciste m'a pas tant marqué que ça, mais je sais que c'est un film que ouais je recommanderais parce que on sent qu'il y a eu du travail, tu vois. C'est pas juste on se contente du minimum syndical, il y a eu du travail, il y a eu de l'écriture, il y a eu des personnages. Comme Paranormal Activity, je le conseille, mais je sais qu'aujourd'hui c'est plus compliqué parce que les gens vont se dire mais il se passe rien, et pourtant faut regarder comment ça progresse et vous verrez que c'est très intelligemment bien écrit et que ben, ce qu'on voit là c'est exactement des êtres humains qui agiraient de cette manière-là, ou en tout cas pour certains d'entre nous. Je dis pas qu'on est tous Non mais cons. selon ce que tu peux souligner, c'est que aujourd'hui l'écriture d'un film comprend aussi l'aspect production marketing autour du film qui est aussi important, c'est-à-dire que rendre le film comment dire réaliste avec une histoire toute faite du genre bah, on a retrouvé cette cassette, on a retrouvé ce caméscope Ouais. sur une scène de meurtre et on vous fait vendre ça, on vous vend ça, je veux dire, au cinéma comme un film réaliste, ça fait partie intégrante de l'histoire même du film que vous allez voir au cinéma, même si c'est faux. Tu sais, je repense à Cloverfield, où tu as cet aspect caméscope retrouvé sur voilà, des ruines de la ville de New York. Tu as Blair Witch, bien sûr. Tu as aussi VHS. The Grave Encounter, dont tu me parlais Oui. tout à l'heure en off, là, Il y avec. a REC. Il y a REC, il y a. C'est assez intéressant et je pense que l'histoire. Les histoires d'aujourd'hui sont pas forcément moins bonnes qu'à l'époque parce que Oui. quand tu repenses à des films comme The Thing,
où tu as cette base polaire avec des scientifiques qui sont en train de faire des expériences. Y a rien d'autre. Après, tu as un extraterrestre qui vient et tout part en vrille. Mais je veux dire, aujourd'hui, dans une série télé comme X-Files, ils ont repris, ils ont fait un hommage à l'époque à ce film-là de John Carpenter. Un épisode entier, ça a été écrit en 5 secondes, quoi, je veux dire. Et aujourd'hui, à la limite, tu sais, The Conjuring, pour moi, The Conjuring 1 et 2, il y avait quelque chose de plus profond à faire. Ils avaient un bon scénario, mais la réalisation est tellement mauvaise, les trois quarts du film, qu'il ne restera pas dans les annales, ce film. C'est dommage. Les films marquants aujourd'hui qui resteront, c'est The Shining, tu vois, les Halloween 1 peut-être, pas forcément ceux qui vont suivre derrière, mais c'est des films marquants pour leur époque et qui représentent quelque chose. Aujourd'hui, des Conjuring et des Annabelle, t'en as 46 000 qui sortent tous les ans, quoi. Ah oui. Ça marquera jamais une époque, c'est triste. Scream, à l'époque, a marqué les années 2000, enfin le 1 et le 2 surtout. Après, bon, c'est parti aussi en vrille, hein, Ah oui, bah oui, ça. Tous mais les voilà, films ont quoi. eu des suites et c'est parti en cacahuète. C'est ça aussi, c'est vouloir faire des suites pour raconter encore plus de choses et après on en arrive à tout dévoiler, toute la vérité. On l'a vu avec Annabelle où on t'explique que la petite fille, en fait, elle s'est fait percuter. Ses parents voulaient garder son esprit enfermé dans une poupée, sauf qu'en fait, bah, ils ont attiré un démon et du coup, c'est devenu une poupée tueuse. Ouais, Ouh. ouais. Pour moi, alors voilà, si tu veux parler des nanars récents, Annabelle 2, il est dans le top 3 des nanars des 10 dernières années. C'est une catastrophe, Annabelle 2. Il y a des gens m'ont dit Annabelle 1, il est pire. Mais est-ce que vous avez bien vu Annabelle 2, les gars? Parce que Annabelle Ouais. 2, tu passes une demi-heure du film au tout début, entendre des grincements de sol, des grincements de porte, il ne se passe rien. Non mais moi je parle surtout de la mort de la petite fille. Elle se fait percuter par une bagnole dans une route de campagne, Il y a dans une personne. ligne droite. Il y a T'entends personne. une voix. Ouais, non, en plus on parle de vieilles bagnoles qui font un bruit de Ah monstre oui. et ses parents et elle-même n'a pas entendu la voiture arriver à des Il kilomètres. y a personne à Comment? 500 mètres, hein, tu Ouais, sais. non mais voilà, C'est pas c'est. le périph' de Paris, hein, Ouais, c'est non, mais pas. voilà, ça serait dans un virage, en plein centre-ville, je dis pas, mais là, non, ça marche pas. Et pourtant, on essaye de faire croire que, ouais, regardez comment elle est morte, hein, c'est triste. Non, c'est ridicule. Enfin, j'y crois pas du tout, ça fonctionne pas. C'est exactement ce que je te dis. Là, on veut te rendre l'histoire sérieuse et dramatique avec un côté effrayant, mais c'est une insulte au spectateur qui est dans la salle pour moi. Parce que finalement, les morts sont ridicules. On te détruit des personnages en 5 secondes, comme la mère qui est dans son lit, où tu as la cloche, tu sais, elle fait sonner la cloche pour qu'on vienne l'aider. Et il n'y a personne qui vient l'aider au moment où le démon est là. Elle meurt comme une merde. Enfin, je veux dire, c'est. Pourquoi avoir créé des. Il y a beaucoup de films aujourd'hui, quand on parlait de l'autre fois de Star Wars, il y a beaucoup de films aujourd'hui où tu as des personnages qui apparaissent 5 secondes comme Captain Phasma et qui meurent comme des merdes. Non, On prenez n'en pas avait des. rien à faire de ces personnages, on s'attache Non. pas à eux. Non, parlons pas de Captain Phasma, ça fait mal au cœur. Mais après, par contre, tu vois, aujourd'hui. Il y a des films qui tentent, enfin comme beaucoup à une certaine époque, de prendre, on va dire, les phobies et l'actualité politique. Il y en a un dernièrement qui est sorti, enfin dernièrement, il y a quelque temps, c'est Get Out, tu vois, où on montre un aspect très différent, parce que en général, comme tu l'as dit, on montre des blancs, la phobie des blancs, fin de l'histoire. Et là, on montre quand même un noir qui va rencontrer une famille de blancs, et il s'avère que la famille de blancs ne déteste pas, enfin déteste par-dessus tous les noirs. Et je trouvais ça très intéressant de montrer ce côté-là, tu vois, de montrer bah, les étrangers comment ils voient les blancs. Et bien en fait, ça montre cet aspect-là. En fait, ils nous voient aussi parfois comme des monstres, comme nous on les voit pour certains d'entre nous comme des monstres. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est un parti pris assez risqué. Et pourtant, le film est plutôt bon. Enfin, on sent le conflit alors qu'il n'y a rien de surnaturel. On n'utilise pas forcément des jumpscares à tout va. On sent qu'il y a une ambiance et une écriture. Ça montre en tension. Donc, tu vois, il y a encore quand même des petits films qui arrivent sournoisement à arriver à sortir du panier. Mais c'est vrai que il faut regarder le panier. Et c'est vrai que dans ce panier, il y a une perle parmi tant de merdes comme les Annabelle 2, comme les Conjuring 460 000, ou encore le délicieux et merveilleux film que je chie dessus, La Nonne, un Ah chef-d'œuvre là là du là là. cinéma d'horreur où il se passe rien. Et quand je dis se passe rien, c'est pas parce que il y a une montée en tension. Non, non, c'est qu'il se passe rien, strictement rien. Il n'y a Ah même pas de oui. jumpscare, il n'y a rien. Ouais. Le film est nul. Ah oui. J'étais vraiment déçu parce que tu sais, par rapport à tout ce que les gens m'avaient dit pour ce film,
Au bout d'une heure de film, je me dis, bah, il est pas si mal pour le moment. Et puis, tu te rends compte que 10 minutes plus tard, la fin arrive. Et bah, tu te dis, mais attends, ils m'ont enlevé du bout de pellicule, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu vois la nonne qui se balade à fond dans l'église, là. Et puis, fin. Ok, Moi, j'avais d'accord. l'impression de voir une comédie musicale où tu vois les nonnes se balader, et puis de temps en temps, t'avais la musique qui s'excitait, donc je pensais qu'ils allaient danser, ce genre de choses. Enfin, bon, de toute façon, c'est un mauvais film parmi tant d'autres qui est sorti ces dernières années. C'est vrai, celui-là m'avait bien marqué parce que on nous avait teasé cette nonne avec ce visage horrifique. Alors, je sais plus dans quel film, c'était Annabelle ou Conjuring, je me rappelle plus parce que c'est tout un lien. Hein, c'est le Conjuring, ouais. cinématique univers Conjuring. version horrifique de Conjuring avec les Warren. Et c'est vrai que quand t'avais vu la première fois le visage de la nonne, tu fais oh putain, mais elle fait grave flipper. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est un démon et tout? Et là, ils ont essayé de nous donner ses origines. Elle travaille, enfin, c'est une nonne d'une abbaye reculé dans le Très monde et très tout. reculé, hein, le plus loin Ah ouais, possible. Hein. tellement reculé qu'ils ont réussi à attirer des pignoufs pour rentrer à l'intérieur et ils vont tomber dans le panneau et ils vont vivre des événements horribles. Sauf que heureusement, on peut tuer la nonne à grands coups de seringue ou je sais plus quoi à la fin. Il lui éclate un truc dans le visage, elle meurt, fin de l'histoire. Enfin, bon, de toute façon, c'est très mauvais, mais c'est triste parce que. Ouais, ils arrivent parfois à créer des histoires supplémentaires avec des personnages que tu vois arriver comme ça, comme la nonne, et ils arrivent quand même à en faire de la merde. Ah mais c'est comment dire le spin-off aujourd'hui c'est ils te font le spin-off sur un personnage que t'as vu 5 minutes dans un film même 30 secondes des fois il y a un mec qui passe à qui t'as acheté du pain et ils vont faire un spin-off sur lui et finalement c'est une merde annoncée mais ils se disent comme le film principal a bien marché et ben on va te faire un truc avec un personnage à côté et ça dans tous les domaines ils le font aujourd'hui c'est un produit dérivé Ouais. Malheureusement, la licence Conjuring avec les Warren, bon, ça a fait son temps, je pense. Il faut arrêter à un moment donné. Enfin voilà quoi. Je trouve ça ridicule aujourd'hui de servir aux gens ce genre de truc. Il y avait la Dame Blanche aussi là. Ah Alors ouais. ça, j'ai même pas essayé de voir la bande-annonce parce que je me suis dit. Ouais, bah c'est la Dame Blanche qui est là pour kidnapper des enfants. En gros, quand tu l'entends pleurer, bah c'est que c'est la merde. Et en fait, ça m'a fait rire, c'est que pendant tout le film, tu te dis, mais pourquoi les kidnappe pas de suite et fin de l'histoire? Bah, elle met 4 heures quoi pour les kidnapper, pour faire ça. Elle fait monter de la tension inutilement. À un moment, tu la vois, elle est en train de ouais passer ses cheveux dans la meuf, hein, dans la gamine, je sais plus quoi. Enfin bon, moi c'est bon, enfin c'était très très nul. Enfin c'est. C'est pas une merde monumentale, mais encore une fois, tu te dis, putain, mais t'as un bon scénario, t'as une histoire. En fait, c'est ça ce qui m'attriste, c'est comme tu le dis, c'est qu'en fait, les histoires, il y a moyen de faire un truc de fou, mais non, on va faire systématiquement les mêmes trucs, la même merde, la même sauce, parce que tu sais que les adolescents qui est le public visé va aller le voir, parce que ces films sortent en général en été, tu te fais chier en été, tu vas aller au cinéma avec tes potes, et donc tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas aller voir? Tu vas voir Dora l'exploratrice, ou plutôt un film d'horreur? Bah, tu vas aller voir un film d'horreur, sauf que tu te fais pigeonner parce que c'est de la merde, et à chaque fois, systématiquement, tu regardes les retours des films d'horreur, ils sont assez catastrophiques, quoi, pour la plupart qui sont sortis dernièrement, hein. Ah oui, tous catastrophiques. Et tu sais, on parlait des codes tout à l'heure avec, comment dire, les. Le sportif, la blonde. Etc. Enfin, et là, le code, tu sais, où tu avais la scène finale obligée, il allait se passer quelque chose de dramatique pour le groupe, où il fallait à surtout pas. Fallait surtout pas se séparer avant la fin du film, tu sais, le groupe qu'il fallait qu'il reste uni, etc. Où t'avais justement dans tous les films d'horreur hein, d'adolescents où t'avais ce groupe qui se séparait. Toi tu vas par là, moi je vais par là, comme ça on aura plus de chances de le trouver. Mais sauf que le tueur il va vous découper un par un, c'est plus facile. Enfin, il y avait toujours cette bêtise dans la réflexion de ces futures victimes annoncées. Eh Et ouais. aujourd'hui. Il y a même plus ça, il y a même plus ça quoi. C'est-à-dire que là carrément, si tu as remarqué, c'est souvent les occupants de la baraque qui vont aller essayer de tuer en groupe en fait le monstre. C'est même plus le monstre qui vient les chercher et eux qui s'enfuient comme avant. Là c'est carrément le héros, la famille qui va essayer d'aller tuer le monstre dans son antre. Dans la plupart des films, quoi, c'est d'une bêtise le scénario parce qu'on ne sait pas imaginer une fin. Moi, je vois encore la fin d'Halloween, le dernier qui est sorti au cinéma. Tout le film est bien et la fin, c'est
Eh ben écoute, on va attendre le mec, on va attendre qu'il arrive. Et puis il y a la caméra, il y a un gros plan sur Jamie Lee Curtis. Et elle attend le tueur qui arrive dans sa baraque pour s'est barricadée, etc. Un peu comme dans les films. C'est dans un espace clos, sauf qu'en fait, elle est juste dans sa baraque. Et puis l'autre, il arrive, il est à l'extérieur. Il n'y a même plus d'ambiance effrayante ou quoi que ce soit. Il n'y a plus d'imagination. Et puis la fin du film, c'est une poursuite en voiture. Où on te dit qu'il y aura sûrement une suite, hein, parce que Oui. Michael Myers a disparu encore une fois. Ouais. C'est vraiment dommage, il n'y a pas d'imagination pour la fin des films. Je regrette vraiment. Bah, moi, Sinister, justement, quand je reviens à ça, quand je vois l'enfant qui est écrit sur le mur avec le sang de ses parents, moi j'ai envie de me lever et d'applaudir. Mais je me dis merde, j'ai jamais Ouais, vu c'est ça de ma osé. vie, c'est. Mais ouais, mais c'est ce que j'aime bien, c'est que avec Sinister, on n'a pas passé, enfin on a passé un degré où on montre quand même que des enfants subissent, ils peuvent être tués, tu vois, sans aller dans la vulgarité, la facilité la plus déconcertante. Mais ça nous montrait qu'on était capable de montrer ce genre de choses, et j'aurais voulu aller encore plus loin. Et ce que je ne retrouve pas, et c'est pour ça que on parlait aussi des premiers films qui nous ont marqués. C'est pour une simple et bonne raison, c'est que moi je me rappelle que quand j'étais petit, il y a un film où je vois, un film d'horreur où j'ai vu une scène où on voyait une femme dans une salle de bain, et à un moment elle se retourne, et il y a une créature dégueulasse qui apparaît dans le miroir, une espèce de femme dégueu, enfin vraiment un truc. Et j'ai vu cette scène pendant quelques secondes, tu vois, et pendant plusieurs années, mais j'étais traumatisé des miroirs. Et quand j'allais dans ma salle de bain et que je me brossais les dents, tu sais, je levais doucement les yeux pour être sûr que c'est bien mon reflet que je voyais, tu vois. Mais ça m'avait marqué. Alors qu'aujourd'hui, ben, on a plus cette sensation parce on arrive au problème de l'actualité mondiale où finalement on est tellement habitué aux traumatismes les plus dégueulasses que de toute façon un film d'horreur ne peut plus nous marquer dans cet aspect-là. Tu vois, il peut pas créer cette peur qui va rester gravée en nous. Et je trouve ça tellement dommage. C'est vrai que alors, on a la génération qui va nous précéder et les futures générations, vous allez tellement être habitué à ça que vous pourrez même plus être surpris. Vous pourrez plus même plus avoir peur. Et je trouve ça dommage quand même. Y a un truc qui est certain, c'est que aujourd'hui le héros principal du film, c'est plus le tueur ni la victime, c'est le jumpscare aujourd'hui le héros. Ouais. C'est-à-dire que on met trop en valeur les moments où tu dois sursauter. Et finalement, la personne qui va se faire tuer, tu ne t'y attaches pas du tout. Le groupe de personnes que tu rencontres au début du film, qui parlent, qui discutent, les liens que tu peux avoir. D'amitié ou d'affection pour tel ou tel personnage, tu les as jamais parce que t'en as rien à faire. Tout ce que Ouais. tu attends, c'est le moment où tu vas sursauter. C'est ça que tu vas adorer en fait, finalement. Ben, limite, tu te demandes, et ça arrive, ou t'arrives devant le film, tu sens que ça monte en tension, et tu sais qu'il va y avoir le jumpscare, et t'es limite à dire, bon, s'il te plaît, balance le jumpscare, j'ai envie d'avoir peur, quoi. Ouais, je le savais, je le savais. Ouais, Je voilà, le savais. c'est, oui, mais c'est ça, en plus, c'est qu'il n'y a même pas d'effet surprise. On l'a dit de nombreuses fois, la musique qui te prévient, ou alors qui te fait douter, tu sais, oh mon Dieu, il va y avoir un danger, il se retourne, non, il n'y a rien, il se re-retourne, il n'y a rien, ben, tu fais, bah, c'est bon, la troisième fois, c'est bon, on le sait, il n'y a même plus de peur réellement surprenante, on n'arrive pas à nous, c'est, ouais, Et on en le arrive. pire, tu vois, c'est dans Annabelle, je me souviens. Je m'attendais à avoir des jumpscares à certains moments, et quand je les ai pas eus, j'étais déçu. Et je me suis dit, putain, en fait, le film il est vraiment pourri. Parce que même au moment où je m'attends à sursauter, bah, ils m'ont cassé mon truc. Là où tu as parfois, tu sais, un plan derrière la tête du personnage où il avance tout doucement dans la pénombre, il va ouvrir une porte, un peu à la Resident Evil, où tu te dis, il va ouvrir, il va se passer un truc. Et on te met un petit son derrière, et finalement il ouvre la porte, il parle à quelqu'un de normal derrière, il se passe rien. Et c'est là que tu te dis, ils ont joué avec nous, ils se sont moqués de nous, et en plus il se passe rien d'intéressant dans la scène. Et là tu te dis, mais le film il est à chier quoi, Ouais, t'as envie de sortir de la salle. clairement. Mais tu vois, moi, il y a une scène qui m'avait marqué dans Rec, le tout premier. C'est d'ailleurs, comment dire, Link the Sun l'avait mis dans son top des jumpscares. Et en fait, c'est pas véritablement un jumpscare. Enfin, il surprend. C'est quand tu vois la caméra dans le grenier et tu vois le mec tourner sur lui-même pour regarder tout autour de lui avec la caméra. Et tu vois le visage d'un gamin. Et tu sursautes, tu vois. Et ça, c'est, pour moi, c'est de l'intelligence scénaristique. C'est posé, tu vois. T'as un rythme bien soutenu. Tu sais qu'il va arriver quelque chose, mais on te prévient pas forcément. T'as pas la musique qui fait
tadam, ou qui te tatatatat et tac. Ouais. Non, tu vois, c'est un peu comme les Dents de la Mer. Même si la musique t'aide à savoir quand le requin va attaquer, mais t'arrives quand même à être surpris. Aujourd'hui, l'effet de surprise n'existe pas. Bien sûr qu'un jumpscare va t'affecter parce que quelque chose qui apparaît tout d'un coup est obligé de faire peur. N'importe, même bien prévenu. Mais c'est dommage, tu vois. C'est bien pour l'ambiance des jumpscares, mais aujourd'hui, ils ne sont pas employés intelligemment, ils sont employés pour aider parce qu'on ne sait plus faire peur, parce qu'on n'arrive pas à faire peur. Et en même temps, on l'a dit, de toute façon, on l'a redit, il y a tellement de choses qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir peur, c'est très très compliqué avec le contexte, avec notre façon de voir la vie, c'est tellement difficile. C'est ça. Et c'est pour ça que des films, tu vois, moi, il y a un film qui m'avait vraiment marqué, et en plus, qui est une bonne adaptation pour le souligner d'un jeu vidéo, c'était Silent Hill, le film. Alors, le tout premier, hein, pas Silent Hill 3D de merde, le tout premier où on voit cette ville avec le brouillard, avec l'alarme qui tombe, et tu vois, petit à petit, les murs qui se décomposent, et en fait, tu vois qu'on bascule en enfer, et que tu vois les trucs dégueulasses, les corps qui bougent encore, alors qu'ils ont les boyaux à l'air, où tu vois ces créatures difformes sans visage qui hurlent, ces bébés, tu vois, tous ces trucs. Là, j'étais bien, tu vois, là, je me suis dit, enfin, un film d'horreur qui fait vivre quelque chose. Bien sûr, c'est une adaptation, donc c'était un peu plus facile, mais quand même, c'est une bonne adaptation, et je me suis dit, putain, je voudrais voir ça encore pendant des années, et aujourd'hui, je n'arrive plus à m'émerveiller devant un film d'horreur, alors que j'ai peur des films d'horreur facilement, et aujourd'hui, j'aurais toujours peur, mais c'est plus une bonne peur, tu vois, c'est une peur juste, voilà, j'ai eu peur, fin de l'histoire. Ouais. Ça veut plus rien raconter, la peur, aujourd'hui. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, de toute manière, je pense qu'on a résumé à peu près Oui. l'histoire des jumpscares aujourd'hui qui ont tué le cinéma d'horreur épouvante. À la limite, moi, je m'amuse plus avec un Shaun of the Dead, je pense à ça tout à l'heure. Je m'amuse plus avec un film comique-horreur que un film aujourd'hui qui se veut sérieux mais qui est d'un ridicule dans la mise en scène. Ouais. C'est triste à dire, mais. Je pense qu'on aura du mal à retrouver déjà des films comme Shining numéro 2 ou Shining voilà, là. Dans la même idée de ce qu'avaient fait Stephen King et Stanley Kubrick à l'époque. Parce que peut-être que les scénaristes d'Hollywood aujourd'hui ne veulent pas s'investir plus dans le scénario, sachant que ils n'ont pas forcément manipulé le public depuis quelques années pour s'attendre, pour répondre à un film, comment dire, avec une intrigue plus poussée, pour l'amener jusqu'à des scènes où il va frissonner, avoir peur. Pourtant, tu vois, pour revenir au film, ça, l'adaptation, le premier, hein, parce que moi j'ai pas vu le numéro 2, le chapitre 2 encore, je l'ai pas encore vu, mais le premier film. J'avais trouvé très bon le remake, hein. Personnellement, j'avais retrouvé l'ambiance années 80 dans le film au niveau de la réalisation, et je trouve qu'il y avait comment dire, une renaissance un peu, tu sais, du genre qu'on avait perdu, qu'on avait perdu à cause de tous ces films blockbuster sous licence, sous franchise, etc. Il y avait ce genre qui était un peu revenu à la psychologie, au thriller, qu'on avait un peu aussi eu à l'époque, hein, du remake de Psychose d'Hitchcock, hein, qui était pas si mauvais que ça. Et puis finalement, c'était un leurre, mais il s'est rien passé depuis, je trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que de toute façon, on l'a débattu, hein. Il y a beaucoup de problèmes dans le cinéma d'horreur. C'est difficile. De toute façon, c'est un milieu très difficile, on l'avait dit. Mais c'est vrai que je pense que l'âge d'or du cinéma d'horreur, c'est ben voilà, dans les années 80, tout ça. Ça a continué, hein, après les années 2000. Mais là, on a commencé à atteindre une certaine limite parce que on nous a pondu tellement la même chose. Et regardons juste le dernier Halloween. Il a marché, hein, au box-office, mais il a marché auprès de qui? Est-ce Les qu'il a fans, marché auprès des fans, voilà, ouais, que les de la fans. première heure, et aussi des amateurs de films d'horreur de l'époque? Mais ça m'étonnerait qu'il a réellement marché auprès des adolescents qui sont habitués à des jumpscares et qui, quand ils voient un tueur en série, ils se disent ouais, mais c'est pas genre un saut avec des C'est pièges ou un ça, truc c'est comme ça. ça. Donc je pense que voilà, il y a aujourd'hui, il y a un public qui va disparaître petit à petit, malheureusement, avec le temps. Ceux qui ont aimé un type de film d'horreur, enfin plusieurs types de films d'horreur, et petit à petit, on va laisser la place à ceux qui aiment le film d'horreur qu'on leur offre aujourd'hui, sans se poser de questions. On veut pas se poser de questions, on veut pas leur offrir un scénario. Voilà, on profite des choses qui ont marché, on les exploite jusqu'à la moelle en sortant, voilà, un Shining. Peut-être qu'on aura un Shining 14, peut-être qu'on aura un Conjuring 73. On aura à chaque fois des suites, ou alors des spin-offs à la con, comme La Nonne, mais on aura La Nonne 2. Certainement, parce Oh que peut-être là qu'elle va là. revenir Ouais. avec Ils sont avec obligés de faire une suite parce que
Enfin, non, ils sont pas obligés, mais je veux dire, Oui, mais il il y a faut le la faire. côté franchise et puis il n'y a pas eu de fin dans le premier, donc. Oui, ouais, non, il n'y a pas eu de fin, mais en même temps, après tout, est-ce qu'on voudrait une fin là-dessus? Non. Non, personnellement, Mais non. certainement qu'il y en aura. Il y aura Annabelle. Mais oui, il y a Annabelle 3, je suis con qu'il va pas tarder à sortir. Alors, il y avait un film dans le genre, pour revenir rapidement, Oui? c'était Ouija. Est-ce que tu as vu Ouija, là, le film, qui était dans. Il était pas si mauvais. Il était pas si mauvais. Ouais, mais en fait, Ouija, c'est. Je me rappelle, c'est l'espèce de table, enfin de la Oui, c'est tablette la planche en fait pour communiquer voilà, avec et en les fait ils ont esprits. basé un film dessus, enfin basé un film sur la fameuse tablette avec des jeunes qui vont l'utiliser pour je ne sais plus quelle Bah, raison, il y a des. c'est une femme en fait avec sa fille qui a des problèmes d'argent, qui utilise la planche pour faire, comment dire, voyante, et elle parle aux esprits, mais sauf qu'en fait, la planche elle l'utilise pas vraiment, et c'est ses enfants qui font les Oui, qui esprits dans la s'amusent. maison au moment où Ah. les gens Ah, sont, ok. comment dire, en séance. Et finalement, jusqu'au jour où la fille, elle manipule la planche vraiment et elle communique vraiment avec un esprit. Et le film n'était pas si mal, hein. La réalisation était bonne et tout. Après, ils ont fait le 2, malheureusement. Ouais, mais en fait, il y a des films comme ça où on a eu de la chance, par exemple, pour Sinister. Bah, Sinister 2 n'était pas une. Enfin, c'était pas une merde monumentale, tu vois. C'était une suite plutôt bonne. Bon, ils ont montré des nouvelles morts, comme avec les rats, entre autres, qui étaient assez space, on va pas se le cacher. Mais c'est pour dire que de temps en temps, des suites sont bonnes, mais parfois, il faut savoir dire stop. Voilà, pour la table, voilà, Ouija. Bon, le premier se suffisait à lui-même. Il y a des films comme ça qui se. Mais bon, on essaye d'exploiter jusqu'à la moelle, on essaye de gagner de l'argent sur quelque chose qui a marché, mais étrangement, il y en a qui ont réussi à aller très loin, par exemple Paranormal Activity, vous Ah regardez tous les oui. films, ils sont globalement tous bons. C'est pas des chefs-d'œuvre, mais ils sont tous bons parce qu'ils ont une continuité, ils t'apprennent de nouvelles choses, ils te font découvrir les origines, etc. Et c'est très intéressant, et en plus, ils gagnent en degré, au niveau des fantômes, au niveau des esprits, ça fonctionne. Donc voilà, il arrive parfois, c'est voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que dans un panier, il arrive parfois qu'il y ait une petite pépite, et de cette pépite, il peut en découler de belles choses, mais malheureusement, il faut regarder aussi d'abord tout un tas de merde avant de trouver cette fameuse pépite, et c'est un peu compliqué. Maintenant, ça dépendra des générations, ça dépendra de vos goûts, de vos couleurs, de vos croyances, parce que par exemple, tu vois, Ouija, c'est un film que je peux pas regarder normalement, tu vois, parce que je suis pas croyant, mais étrangement, je me dis, mais merde, ces tables, je suis sûr, j'essaierai moi-même, il va se passer un truc. Je suis tellement pas chounard, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc regarder ça va me faire flipper automatiquement, alors que je jouerais un jeu vidéo où il y aurait une table de Ouija, je l'utiliserais sans problème, ça me ferait ni chaud ni froid, même s'il se passe les pires événements, tu vois, Outlast, etc., qui sont d'excellents jeux vidéo, je les ai en main, ça me fait rien. Enfin, je vais sursauter, hein, parce qu'il y a des moments, des petits jumpscares, tu vois, qui me font sursauter, mais alors que ça serait dans un film Outlast, c'est con, tu vois, je me suis dit, mais c'est bizarre, ils n'ont pas fait un délire comme ça, la Outlast, mais bon, il en a tellement existé, des films comme Paranormal Activity, Rec, c'est un petit peu un Outlast, en fait. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, ils auraient pu le faire. Étrangement, ils l'ont pas fait. Bon, on verra bien. De toute façon, je pense que 2020 va nous réserver son lot de films d'horreur. Est-ce que tu as entendu parler, pour terminer, je pense, parce qu'on a pas mal débattu et Oui, on de a toute fait le tour, façon, je pense, ouais. voilà. Est-ce que tu as entendu un nom de film d'horreur 2020 qui t'intéresserait à aller voir ou malheureusement, il n'y a rien qui te botte pour l'instant? Malheureusement, aucun. En même temps, je me suis pas forcément renseigné, tu Oui. vois. Donc, Oui, non. je sais pas si t'as des titres à me proposer, hein. Je Alors suis moi, c'est, ouvert. mais moi malheureusement, je suis très con pour les noms. Je sais quel est le film. Je sais qu'en début d'année, je crois c'est janvier, février, je sais plus. Ouais. Il va sortir un film d'horreur, la Space Alien. Alors pourquoi je dis Space Alien? C'est qu'en gros, c'est plus ou moins Alien, mais ça se passe sous l'océan, enfin dans l'océan, D'accord. en profondeur. Je sais pas si t'avais vu cette bande-annonce. Je me rappelle pas du nom, mais il sort très Comme prochainement. Abyss un peu. Ouais, voilà, mais en fait, il y a un mélange d'Abyss et d'Alien, enfin voilà, il y a tout un mélange, et en gros, voilà, bah c'est, t'as une base sous-marine avec des scientifiques, et à un moment, ils doivent remonter, mais il y a un événement un peu spécial dans l'océan, et il y a des créatures qui vont être libérées, et donc, ils vont faire des choix très, voilà, hein, genre, ils D'accord. doivent se déplacer sous l'océan, et ils vont se faire attaquer, forcément, mais voilà, il y a ce film, c'est pas qu'il me botte, mais je suis curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner, une espèce d'Alien Abyss mélangé, à la sauce 2020, mais c'est vrai que je pense qu'actuellement il n'y a aucun véritable film qui me botte. J'ai peur des nombreuses suites qui vont arriver, comme ben, normalement le futur Halloween. On sait qu'il y a Annabelle 3 qui sort cette année normalement. Oui, ça c'est. On va dire qu'il faut s'attendre à rien. Hein. Je pense que si Ouais, tu vas au s'il n'y a pas de cinéma, surprise. oui, tu vas au cinéma en te disant,
Vu le niveau d'Annabelle 2, tu risques pas de passer forcément un bon moment, sauf si t'es avec, si t'es accompagné, quoi, on va dire, avec ta copine ou quoi, et que tu veux rigoler en la voyant sursauter sur des trucs assez idiots. Mais c'est le seul jeu qui peut t'amuser en allant voir ce genre de film, à mon avis. Moi, c'est comme toi, hein, ça m'a toujours fait rire, les personnes, tu sais, qui sont public facile, qui rient à des blagues idiotes dans des Jurassic World ou des Star Wars. Ou alors qui sursaute à un moment qui est prédestiné à que tu sautes. Tu sais, tu le sais très bien, quoi. Je pense que c'est des gens qui ont un gros déficit d'imagination, sans être méchant, je pense. Mais après, je dis pas que c'est une marque d'intelligence de savoir à quel moment va se passer tel ou tel événement dans un film. Mais il faut se dire que les gens qui ont peur sur des choses assez banales, c'est soit qu'ils sont très très peureux dans la vie, ce que je peux comprendre, qui ont des phobies énormes, comme les femmes hein, ou les hommes qui ont peur des minuscules insectes dans certaines pièces et qui veulent pas rentrer dans la pièce tant que l'insecte n'est pas parti. Enfin, pour moi, c'est ridicule, mais en même temps, je peux comprendre les phobies des gens. Mais quand tu sais que dans un film, à un tel moment, il va se passer une chose d'importante grâce à un effet sonore et que tu sursautes quand même, voilà Ah ouais, quoi. mais tu vois, moi je suis quelqu'un qui arrive à voir à des kilomètres tout ce qui va arriver, hein. Je pense avoir assez prouvé avec mes différentes théories sur Star Wars, etc. Et pourtant, étrangement, même dans un film noir, quand je sais que ça va sursauter, enfin, va faire sursauter, je vais sursauter. Bah écoute. Mais ouais, mais parce que même préparer psychologiquement, c'est de toute façon, c'est l'aspect être humain, c'est que t'as le côté rationnel qui te dit, ok, c'est bon, t'es préparé, tu sais pourquoi tu vas, enfin, pourquoi ça va, il va avoir un truc qui va surgir, tu, voilà, t'es bon, et pourtant, irrationnellement, ton corps va réagir, ton cerveau, c'est comme s'il se déconnectait, c'est un peu ce que je disais au début, avec la phobie, tu peux avoir une phobie des araignées, tu vois une araignée dans la vraie vie, t'as peur, mais il y en a qui, en plus, quand ils vont la voir derrière un écran, ils vont avoir la même peur, tu vois, c'est comme si elle était là pour eux, et ça, c'est le côté irrationnel, mais c'est ce qui fait la beauté et la grandeur de l'univers d'horreur, parce qu'on peut faire des films d'horreur sur divers sujets, que ce soit les phobies, le surnaturel, les tueurs en série, l'être humain tout seul, ou tout et n'importe quoi. On peut faire plein de choses, hein. Même la mouche, hein, enfin le film où le mec il se transforme en mouche, c'est tellement ridicule ce vieux film, tu vois. Et pourtant, il y en a qui ont eu peur devant ça, tu vois. Mais c'est comme ça, mais. Voilà, je peux pas dire si c'est ridicule ou pas ridicule, ça c'est un autre débat, de toute façon sur l'être humain on pourra un jour en débattre, mais voilà, après moi la peur, même si je sais que quand elle va arriver, ça arrive à me surprendre, mais c'est pas pour autant que je prends du plaisir, tu vois. Là où il y a d'autres films d'horreur, même si je sais que ça allait arriver, je prenais du plaisir parce que c'était bien amené. Aujourd'hui ça ne l'est pas, mais bon, c'est ce qu'on a dit tout le long de cette vidéo. Donc je sais pas si tu as quelque chose pour conclure. Bon, je sais que la vidéo est très longue, mais de toute façon c'est un débat, hein, donc encore une Oui. fois. Mais j'ai une dernière question. Je sais pas si tu as lu beaucoup de livres de Stephen King. Est-ce que tu trouves que pour l'instant les adaptations ont été bonnes globalement? Non, mauvaise, mauvaise. Mauvaise? Globalement, si tu dis sur un point de vue global, c'est Oui. mauvais. Parce que Il n'y a rien pas que forcément un respect de l'œuvre, ou est-ce que au non, contraire. c'est impossible de respecter l'œuvre parce que quand tu sais que les bouquins ont tellement de détails dans la mise en place des personnages, le cinéma va trop vite en fait. Et c'est bien ce qui a été fait dans ça, c'est qu'il y a chapitre 1, chapitre 2, des films qui durent déjà 3 heures de base chacun, et on arrive à mettre pas mal de détails. Bien sûr, il en manque, hein, parce que tu peux pas mettre tout à l'écran, tu peux pas passer. Le plan d'une caméra pendant allez, 5 minutes sur un détail sur un mur et te dire tiens ça me rappelle un truc etc. Foutre une caméra sur un mur pendant 5 minutes, le spectateur il va te dire mais attends il se fout de ma gueule, il veut que je pense à quoi? C'est un truc tout bête mais l'adolescent de 15 ans et au bout de 5 minutes il va se barrer de la salle ou je sais pas quoi. Ouais, ça marche mieux à l'écrit Ça qu'à marche mieux à l'écran. l'écrit, mais bon, bref, non, pour moi, c'est clair et net, et ça pourra jamais, c'est impossible. Il faut que l'écriture soit simple. Peut-être qu'un écrivain qui a fait... Après, Stephen King, il a fait des nouvelles hein, qui durent 50-100 pages, il a fait des petits bouquins comme ça, et ça fonctionne bien. Hein. Je dis pas que Shining c'était un gros bouquin, mais il a formidablement bien été adapté au cinéma. Hein. Ah, ça dépend des goûts et des couleurs. Moi, je ne À peux son pas époque, kiffer. pour Ouais, moi, à mais tu son vois, époque, il a mais moi, je été... l'ai vu assez jeune, et Shining, je me suis toujours endormi devant ce film. Je le Ah trouve oui? d'une platitude scénaristique, c'est affreux. Mais
je comprends pourquoi on l'aime, mais pour ceux qui veulent un avis bien plus construit avec plus de détails, parce que sinon on pourrait repartir encore pendant quelques heures, je vous invite à regarder la Durandal qui a parlé de Shining entre autres, et ce qu'il dit, c'est ce que je pense plus ou moins du film. Il a fait encore plus de détails. C'est vrai que je n'arrive pas à piffer Shining, mais je comprends pourquoi on l'aime. Attention, hein, Ouais, sachez que. bah c'est vrai que si tu veux revenir sur Shining, il y a un moment où il manque une grosse partie du bouquin. Entre le moment où il y a le côté, comment dire, rationnel et le côté folie du personnage de Jack Nicholson qui rentre en jeu, il y a un moment, il passe trop vite à la folie, je trouve. Et c'est ça que le bouquin met plus vite, met mieux en place. Ouais, et puis même, t'as aussi, tu sais, l'histoire du gamin qui apparemment a des pouvoirs et tout, mais au Ouais. final, c'est jamais, dans le film en tout cas, hein, c'est jamais exploité. Et apparemment, la suite montre beaucoup plus que le gamin, effectivement, avait bel et bien des pouvoirs, il parle avec Ouais, d'autres personnes, enfin, tu vois. C'est pour ça que le second film, apparemment, m'aurait plus intéressé, je l'ai pas encore vu, mais il m'aurait beaucoup plus intéressé, je pense, que ce premier Shining. Mais voilà, c'est vrai que je pense aussi qu'il n'y a pas eu toute l'œuvre originale dans le film, et comme tu l'as dit, ça aurait fait des films à la rallonge, et on l'a déjà vu, on l'a déjà débattu. Enfin, beaucoup de gens ont débattu par exemple avec Les Seigneurs des Anneaux, beaucoup gueulé qu'il manquait telle ou telle information, mais en même temps, si on veut adapter un bouquin entier, parfois c'est des films de 10-20 heures qu'on aurait, ou alors Ah oui. des films chapitre 1, chapitre 2, puis chapitre 3, et là vous aurez tout le bouquin. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à tout montrer? Ben voilà, il faut faire des choix. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne question de savoir est-ce que, ben voilà, parce que Stephen King est respecté en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, hein, voilà, c'est un grand Bah, écrivain, je remets pas en cause. tu vois, pour revenir rapidement aussi sur un film qui avait fait un grand succès à l'époque au cinéma, c'était Dracula en 92. Pour moi, c'est une catastrophe l'adaptation au cinéma. Ah Pour moi, c'est une cata. Je l'ai revu récemment encore pour confirmer mes doutes parce que je me suis fait un petit cycle Dracula, tu vois, pour rester ouais? dans l'horreur. Et les films de Christopher Lee sont largement mieux montés, même si la réalisation n'est pas bonne, hein. C'est filmé deux jours avec un fond bleu sur la caméra pour faire la nuit. Tu vois les ombres des chevaux qui se baladent à droite à gauche. Enfin, c'est hyper mal réalisé. Il y a plein d'incohérences, mais les personnages ont un charisme, les scènes, comment dire, ont une cohérence au niveau de, comment dire, de l'écriture. Tout ce que, je veux dire, en 92, quand t'as le film adapté du roman de Bram Stoker sort, c'est une boucherie au niveau du bouquin. C'est une boucherie. Y a pratiquement rien qui est respecté, mis à part le début et ouais, la fin vite fait quoi, mais ça a été fait à la sauce Hollywood et à l'époque on a monté ça comme un chef-d'œuvre, je ne sais quoi. Pour moi, il est pas bon ce film, il est pas bon du tout. D'accord. Je vois, mais d'accord. Eh bien, je pense que pour bien conclure, est-ce que t'as un film dehors, voilà, que tu choisis parmi tant d'autres, sans dire les détails du pourquoi du comment, mais que tu devrais, enfin que tu donnerais, enfin que tu veux donner envie, pardon, de faire découvrir à nos auditeurs auditrices un seul, lequel tu choisirais? Un seul. Ah, c'est compliqué. Ah, vas-y, t'as quelques C'est secondes. vraiment compliqué. Non, ben. Non mais non mais voilà qui t'a marqué, mais juste parce que voilà, il t'a marqué. Vas-y, balance pour peut-être pour faire découvrir à des personnes qui sont intéressées pour découvrir un film d'horreur parmi tant d'autres. Attends. Ouais, bah alors voilà, pour rester dans le burlesque et l'horreur, un des films qui m'a amusé et marqué en même temps, c'était plus Evil Dead, le premier. D'accord. J'ai vraiment apprécié ce film-là parce Pas trop de que. détails, hein. C'est juste pour donner envie. Non, C'est parfait. voilà. Et c'est pour donner. Si vous voulez avoir un avant-goût d'un bon film d'horreur mélangé à, comment dire, une intrigue minime mais bien réalisée, Evil Dead, c'est sympa. Et puis il y a les suites qui sont réussies également. Donc moi je vous conseille Evil Dead hein, pour si vous voulez commencer votre apprentissage du film d'horreur. Après il y a des films beaucoup plus psychologiques hein, comme Les Autres avec Nicole Kidman qui est pas forcément dans l'horreur mais plus l'épouvante. Vous avez des films comme Amityville aussi. Je vous conseille vraiment le film des années 80, pas le remake. Toujours prendre l'original. Hein. Donc voilà quoi. Après Ouais, mais tu as choisi. Je voilà. t'avais demandé, hein, histoire de. Voilà, ça serait. Et Je me toi, doute tu bien que tu. prendras lequel, toi? Ah Non, parce que si tu me poses la question, pour moi, c'est Salaud, moi difficile, hyper je pensais difficile. qu'on.
je pensais conclure comme ça, c'était parfait. Je t'avais mis dans D'accord. l'embarras, c'était obligé que tu fasses du montage. Bim! Et non, il me pose la question. Pour ma part, j'avais un petit coup de cœur sur un film, mais il est assez vieux. C'est Event Horizon. Ah oui, je connais, ouais. Voilà, ça, juste, ça se passe dans l'espace. C'est un vaisseau, il est perdu, enfin perdu, voilà, et des gens vont tomber dessus et il va se passer des événements. Alors, c'est pas un film horrifique, horrifique, à jumpscare, créature, mais c'est un film posé avec une putain d'ambiance et j'avoue qu'il m'a marqué. Mais c'est pas le truc de fou. Attention, vous attendez pas un truc. Mais Event Horizon. Donc voilà, c'est ou la colline a des yeux aussi, ce qui est pas mal. On pourrait D'accord. en citer tellement, mais voilà, j'ai fait mon choix. Tu as fait ton choix, donc c'est Evil Dead et Event Horizon pour terminer ce petit débat ou ce long débat sur les films d'horreur. On aurait pu dire encore pas mal de choses, il y a tellement de choses à dire. Si vous aussi, bah, vous avez envie de débattre, n'hésitez pas à partager ce que vous pensez sur nos différents réseaux sociaux, hein, donc nos pages Facebook, Génération Rétro Gaming. D'ailleurs, que tu as ouvert officiellement la page YouTube. Ouais, c'est une toute petite page YouTube hein, qui a encore du chemin à faire, on va dire. Oui, mais non, mais voilà, c'est pour le souligner, parce que tu viens à la base de Génération Rétro Gaming, où tu partages des podcasts sur le rétro gaming. Il n'y avait pas de chaîne YouTube dite officielle, hein, donc je vous mettrai comme d'habitude sur moi, ma vidéo qui est sur ma chaîne, les différents liens pour retrouver les différentes pages, que ce soit Facebook de Génération Rétro Gaming, sa page YouTube et la deuxième page YouTube qui vient à peine d'ouvrir, elle est encore jeune. N'hésitez pas à aller la découvrir, ça permettra aussi de découvrir d'autres podcasts, d'autres styles et aussi nos différents podcasts que nous avons fait, entre autres. Et puis, on se retrouve pour un nouveau sujet en compagnie de Gabi. On espère aussi, Nico, si un jour il revient, peut-être des personnes d'entre vous qui nous écoutons. Qui sait? On ne sait jamais. Eh oui, on est ouvert à toute proposition. Voilà, et bien sur ce, on vous dit à très très vite et à très bientôt. Et surtout, bonne année à tous. Ouais, et bon film, salut! Ciao, ciao.